Radio Télé Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Dès mon réveil, pour un meilleur start-up, je me branche 101.5 Radio Pacifique. Merci d'être à l'écoute de Radio Pacifique et bienvenue dans Pacifique Matin. Nous sommes le mardi 1er septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Un plaisir, madame, monsieur, de vous retrouver ce matin pour la toute deuxième édition de Pacifique Matin pour cette semaine. Jacques, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour à toutes et à tous. La situation était paniquée, difficile hier soir à Bélair. Très bien, écoutez que. Et en plus, le monde est sous belle était obligé de courir, quitter Caillou pour aller réfugier dans la zone Chanmas. Ça n'a pas bien côté pour aller. Et Mathieu Mispirier et collaborateur nous a permis d'en ce que nous voyons comment la situation lui-même lui présentait dans la zone Chanmas. Après, il y a pile coup de balle, fin tiré, lisier Kaïboulé, zone Ritimas, Kafou Payan, Delma 18, Riz en fil. Situation pas de senti bon, dit tout. Et en pile monde qui est à déplacer, accusé et citoyen, crélé, barbecue, présumé chef de gang, qui dit qu'il est Delma 2, qui vient de mettre édifié dans la zone Belay, son situation. Qui est compliqué, monsieur. Oui, une avalanche de réactions entre-temps suite à l'assassinat brutal de l'éminent avocat et professeur d'université, Maître Montferrier d'Orval. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a été criblé de balles vendredi soir alors qu'il rentrait de chez lui à Pèlerin 5 de la commune de Pétionville. Et c'est ainsi que le secrétaire général du barreau, Maître Robinson Pierre, lui, a confirmé que la victime recevait des menaces quelques heures seulement avant son assassinat, au cours d'une assemblée générale tenue à l'extraordinaire, des membres de la Bazoche ont annoncé une marche pacifique durant la semaine en vue de réclamer justice pour leur bâtonnier. Dans ce même dossier, à partir de 7h40, on va voir que Maître Robinson Pierre, lui, est pour parler des mesures prises hier lors de cette convocation à l'extraordinaire des membres de la Bazoche. Et puis, il faut dire aussi que le barreau de Port-au-Prince, en collaboration avec la Fédération des barreaux d'Haïti, a pris la décision de s'écarter de toute activité commémorative en mémoire du bâtonnier d'Orval que exécutif là pas pour M. Boise Marron pour qu'il s'avait chez d'abord pour qu'on trouve pas de distance à exécutif là on se fait y a fait pas mais nous-mêmes n'a pas ouah n'ont pas mélangé n'a pas rien qu'on ça dit tout c'est et mais ça que eux-mêmes ils ont voyé bah exécutif là pas qu'on motivation là pas qu'on qui information que vous gagnez que moi-même pas gagné et parce que ce sont des professionnels du droit et ils ont été au point décision ça. Mais quelque part, l'or pour nous, ça. Est-ce que c'est pas un jugement ou fait d'avance? Bah, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pas ou faire jugement et puis ou prononcer sentence. Ouais. Vous comprenez? Donc, parce que les ça, dans telle population hein, et dans le monde qui a suivi et qui a des difficultés pour quoi impartialité, le monde qui a mené enquête là. Et que vous gagnez toute information
réel lourd. C'est comme c'est l'orienté, il est déjà orienté. Il est déjà orienté. C'est-à-dire, c'est, ça veut dire que les gens qui gagnent pour une enquête, ça, et vraiment, il faut qu'ils gagnent en pile. L'enquête a déjà commencé. Il faut qu'ils gagnent en pile distance pour permettre que nous t'ajoutions une vraie vérité. Hein. Parce que là, nous avons l'impression que nous avons une émotion. Et dans le genre de crime, ça, le genre de cas, ça, émotion pas toujours bon conseil. Mm-hmm. Bon, en tout cas, c'est, ça, c'est une décision que vous prenez. Mais il faut que nous disions, exécutif là, qui a déjà annoncé 3 journées de deuil national côté que drapeau pays a après le drapeau qui était ici oui a monté en berne en berne depuis le palais va monter moi ti qui sorti monsieur bois dans palais drapeau a monté normalement mais mon ça pas entendu président parler bon et c'est preuve que qu'une compagnie tête en bas c'est comme ça mon président dit 3 journées de national c'est-à-dire dans palais national le président va dire que les gens qui montent le drapeau ne sont pas obligés de connaître. Et tant que le président, il faut que tu connaisses. Il faut connaître, monsieur. C'est-à-dire que le secrétariat général là, tu es supposé connaître. Le chef du personnel, que le président a annoncé 3 journées de grève, 3 journées de deuil. De deuil national. Le président va faire grève. Bah, et bon puis, bon. Et les. Ou Finfel, et secrétariat général là qu'on est, personnel qu'on est, et intendant, parce que intendant c'est lui qui est responsable, et moun, petit personnel là, petit personnel là c'est intendant, et puis intendant dit, attendez, nous ne va pas, d'après à partir de lundi, demi m'attendez, parce que c'est journée, il y a une journée internationale. On va faire ça, lundi, mardi, mercredi. Mais on regarde sur les réseaux sociaux, il y a l'autre citoyen qui répond au monde cap et trip sur tout ça, sur photo. Il montre une photo qu'il y a président et qu'il y a président de la poire lui-même, il dit en bien. Donc c'est un parallèle pas en bien, mais qu'il y a président. Elle dit qu'il y a président de la poire monté. Même pas comprendre, mais il y a un ça. Non, eh bien, tout le monde a non, mais, dit c'est président qui. Oui, ils ont proche du palais national. Ça non, fait, bon. C'est pas que président. On parle du palais national. Le palais national, c'est la résidence officielle du chef de l'État. Président qui a n'importe 50 cas il était. Et ça n'a pas concerné moi-même toi, pour tant que citoyen. Mais maintenant, si le président prend une décision pareille au niveau du palais national, pour que le drapeau lui-même les montée normal, je pense que c'est exagéré. Parce que ça montre que vraiment, pas aucune mesure qui apprend, aucune décision, pas aucune autorité vraie, et n'a pas bon ici. Et là, il faut que nous allions, on dit, et plus rapide, et pour nous capables de connaître qui ça nous a fait. En termes de disposition, M. Saint-Éloi. Et puis, dans le billet Jacques Lamartine, crise haïtienne délibérément hors de la réalité. Voilà. Ah ben, mesdames, messieurs, avec nous, on a pas tourné tout de suite pour nous capables de dire le bêtis à camper le temps.
Il est 7h12 minutes. Oh, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement de cette édition. L'édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Noclès Debréus et Mario Sylvain. Réalisation Olivier Bouchereau, mais gros Jacques Amboise, Moïse Saint-Éloi et Jean-Fluchard Degé. Jacques, hier soir, il y avait mes outils, ben, ça qui fait de bel air, son situation qui est compliquée encore pour la population. Et dans quelques minutes, nous allons supposer que notre premier invité, nous, c'est Gérard Legagneur. Et qui est professeur, doctorant, et actuellement là aux États-Unis. Et avec, comme d'habitude, nous avons essayé de regarder la situation du pays et en général. Et où nous entendons ce qui a passé dans la zone d'Elma 18, et 8 mars et Bel Air. Et moi, j'ai l'impression. Et peut-être c'est bien dans le matin. Hein? Nous carrément hors de la réalité. Parce que nous n'avons pas nous pas rendre compte de danger qui a gardé nous, de comment la communauté internationale là lui-même lui nous, de la République dominicaine qui se voisine et qui lui-même avancé et puis nous-mêmes pendant que nous disons ça n'a pas marqué pas en place. Donc vraiment Jean nous tapé et dit ailleurs et on n'assassine pas et les civilisations mais et elles s'autodétruisent. Ils ont suicidé parce que nous arrivons côté c'est nous-mêmes même qui prend et coûtons-nous et pour nous capables tuer tête nous même pas code nous pour nous capables prendre tête nous nos bons âmes nous pour nous capables mourir vite et une balle à la tête parce que dans route que nous y avec société là dans route que dirigeant parce que là faut faire référence directement aux dirigeants quand il y a autant de problèmes et autant de tracas et dans une zone et guider monde qui attaquait ou qui habitait du feu premier monde pour qui intervenu c'est les forces de l'ordre c'est la police et pour qui t'a intervenu pour qui t'a essayé à mettre et l'ordre la paix dans zone là donc son situation qui très catastrophique et l'énale monté dans l'histoire et c'est là les de 1902 à 1915 on avait cette situation, cette situation de stabilité politique et cette situation de chaos et généralisé qui était débouché sous et première occupation américaine en 1915. Et là, tout ça n'a pas fait là, nous et gagné sans l'air et bottes et Nations Unies et semblé Jean-Léon en 1994 qui a gardé nous, Jean-Léon en 2004, qui a bon, son situation qui est compliquée et jusqu'à présent, la police fait silence radio par rapport à la situation ça, qui arrivait hier sous Miller. Et bien, écoutez, que, on est capable de dire que la population trouvait une situation qui est vraiment compliquée et des familles qui laissent leur maison, et bien, justement, pour se réfugier et nulle part ailleurs. Et ça qui vient compliquer la situation davantage et nous-mêmes et nous pas qu'à comprendre ça qui passait. Et sous Bel Air, hier après-midi, c'est bien côté que en pile monde qui au même temps pas passé dans le nom, t'es trouvé en pile de difficultés pour que yo capable et rejoigne yo par rapport avec Jean situation lui-même lui présenté dans pays hier, une situation qui est compliquée par rapport avec Jean Magayo et présenté nous pral parler tout à l'heure avec premier invité, nous, Jean-Hérald Legagneur, avec lui, nous allons essayer et garder et comment en situation lui-même lié par rapport avec les questions qui sont présentées dans le pays. Nous allons essayer de joindre Jean-Hérald Legagneur pour nous capables d'essayer et rentrer en contact avec lui. Et nous avons un lien avec nous, professeur Jean-Hérald Legagneur, Nabdi. Et bonjour, professeur. Et maintenant, nous comptons avec vous et pour nous parler pays et une situation qui est compliquée. Par rapport avec les gens réalité à lui-même. Lié, comment ça va, FM? Bonjour, professeur. Bonjour, Danger. Bonjour, Jacques. Et bonjour, Moïse. L'autre monde
sur le panel là ensemble avec nous, Moïse. Olivier. Olivier. Permet Moïse, Olivier, Jacques, Danger, permettez-moi, courbez-moi bien bas devant les dépouilles de celui qui m'a transmis les premiers rudiments en matière du respect du droit, de développer ma sensibilité pour la démocratie. La démocratie au nom de laquelle je vais m'adresser à votre auditoire ce matin, tant la liberté d'expression, c'est l'une des manifestations et pour laquelle il semblerait que le professeur a donné sa vie. Et, ou bien dit, il semblait que c'est pour liberté d'expression que le professeur Bellaville, ben, est-ce que c'est ça net, et professeur Le Gagneur, le regardé, et monde dit ça ouvre, gens ouvre, n'importe l'un dans le pays, hein? Est-ce que c'est pas plutôt profonde parole et M. Montferrier d'Oval, tel qu'on a parlé, et que c'est des paroles, et Jean la Bible qu'on dit, au commencement c'était la parole s'est faite chair. Et c'est ton parole peut-être qui t'a fait moun poser question, est-ce que c'est pas ça plutôt qui fait que yo était la ville? Eh bien, c'est ça Jacques, que m'relé liberté d'expression, hein? C'était liberté que le professeur là, pensait le te gagné. Par rapport à ça le gagné comme qualification académique pour te participer dans l'éclairage en dans société côté que c'est l'obscurantisme qui a gouverné et qui voulait imposer loi li à tout le monde. Professeur a te osé une parole qui était différent de sa jette obscurantiste quand tu voulais t'entendre. Il t'a osé contredire. Elle t'a fait ça au nom du bon sens, au nom de responsabilité éthique et académique qu'elle gagnait pour parler en parole d'autorité dans la société. Hein? Et pour cela, je dis, on est capable de dire qu'elle était un souffle. Mm-hmm. La seule chose, c'est que elle était un souffle pour faire mon peur dans la société. Hein? Nous dit, mon sérieux, yo bien compté, yo mal calculé, parce que par la perpétration de ce crime, yo moyen contesté Lucifer, et par rapport à ça passé dans le délai hier, il y a propose pour yo satire papa mon Dieu, par des coups de communication. Que yo pensé que société a retourné sous sa embrayé là pendant que yo même yo embrayé j'en te dit la dernière fois l'on processus génocidaire, eh bien nous qu'a dit c'est bien côté mal calculé, c'est bien côté mal calculé. Et professeur, mais moi mes tableaux ou mettez matin, est-ce que des mons ça yo et obscurantiste ça yo qu'a sorti dans ce secteur, est-ce que c'est intérêt qui mobile yo, et est-ce que pas gagne des moun qui t'a ka bokout met et Doval tout, et que met Doval t'a attaqué intérêt yo, et yo dit sin assassiné comme ça, et puis n'a tout gagne yon et assassin désigné pour lui, et puis est en soufflé jodi an. Il ne m'est pas donné de faire ce genre de pronostics ou bien de poser ce genre d'hypothèses. Cependant, la seule chose que pas une pièce dans la société a qui a ignoré, c'est que depuis un certain temps, la société se gangstérise et se gangstérise avec
la bénédiction du pouvoir en place. Parce que gangster yo, yo revendiqué, yo témoigné de leur acquaintance avec le pouvoir en place. Pouvoir en place là qui a la responsabilité d'assurer la sécurité du peuple, eh bien, gain des rapports réalisés tant par des organisations locales que par des instances internationales qui imbriquaient le proche du pouvoir, des proches du pouvoir en place, la massacre qui fait dans plusieurs quartiers, la capitale là et dans l'autre côté du pays. Donc, par conséquent, gagner un régime qui est installé dans le pays, qui a fait lune de miel avec le banditisme, par conséquent, toutes actes de banditisme qui aboutit à l'assassinat de quiconque dans nos sociétés, à professeur Dorval, comme sept monde que tu y es hier, dans le quartier populaire dans la société, ils ont tout incombé à la responsabilité du gouvernement. Et oui, je suis d'accord, et pour vous là, ou plus ou moins clair dans ce diable, mais cependant, et professeur Le Gagnon, et Gomba, qui est tout vous, c'est de l'eau, est-ce que, effectivement, pas gagner des mondes, quel que soit côté lié à, parce que ou t'es pas le régime obscurantiste. Les obscurantistes, c'est mondes qui parlent et dirigent avec la loi, avec la science, avec les idées contradictoires et qui ca n'importe qui côté. Est-ce que les ça, y a pas bibouyo leur créer situation de chaos ça dans le pays là. Je par exemple nous ça a fait et dans Bel Air. C'est notre jour, nous t'attendons un président de la, un soi-disant, m'a répété, un soi-disant président de la République, a dit c'est bon Dieu qui mette le son pouvoir, ça veut dire c'est plus gros manifestation d'obscurantisme qui a gagné, on a gagné pour pouvoir le bon Dieu, et que tout le monde qui campe en face où, y a neutralisé. Je ne vais songer moi directement, mais il a neutralisé. Mais tout c'est un soi-disant président de la République, ça c'est une déclaration. Donc, ça décrit comme mécanisme de l'obscurantisme, il sort-il dans l'expression, la prise de parole de monde que yo dicta premier citoyen du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le foyer de l'obscurantisme, le patron de l'obscurantisme. Non pas de pour nous chercher encore parce que des revendications qui fait dans la société à Delhi par soi-disant premier citoyen de la nation. Et je le répète, tout acte d'assassinat qui perpétré dans la société avec l'axisme Mounsayo, lui tombe sous dos régime cap qui en charge dans le pays d'Haïti. Parce que c'est yo qui pas prend mesure, qui pas prend disposition, non seulement pour prolifération d'armes parfaites dans la société, mais tout s'il t'arrive à faire tomber dans le même monde pour neutraliser. Maintenant, je dis, tout le monde constate. D'ailleurs, il y a des groupes qui organisent peut-être dans la société et qui ont agi avec le laxisme du régime en place. Quand qu'on me tue à la manière de professeur Dorval, qu'on m'appelle par devant la justice, je me présenterai par devant mon juge avec le rapport des Nations Unies, le rapport des organisations des droits de l'homme, la société A, les déclarations de ces bandits pour me défendre. Et bon, et nous comprenons que professeur Dorval et professeur Le Gagnon, Tijan,
et matin hors d'état et de calme que qu'on gagne d'habitude, nous comprenons ça. Maintenant, dans la situation que nous y la journée aujourd'hui et dans le tableau qu'on sort dressé pour nous, c'est qui côté concrètement que le Kamenen par rapport à Haïti face et aux organismes internationaux, par exemple l'OEA et les Nations Unies, par rapport à Jean Abdirige PIA et par rapport à Voisendou, qui c'est la République Dominicaine. Où ça va parler de secteur qui symbolise l'obscurantisme dans la société. Il y a un là-dedans qui fait sortir notre tout. Avec il me dit que il y a un là-dedans qui c'est corps groupe. Eh bien, bon parler avec M. Damcor, groupe en haïtien. En groupe, on fait partie de l'ougaou qui a mangé petit nous dans la société. Donc, on ne peut pas venir proposer, prendre tête séquelle pour crier encore avec nous. Je vais répéter ça pour M. Damcor Groupio parce que vous comprenez très bien le langage haïtien. En groupe, on fait partie de l'ougaou qui a mangé petit nous. Ou pas capable de proposer une prétexte cercueil pour prier avec nous. Donc, comme groupe notre roi, son note hypocrite, blasphématoire, qui crache sous cadavre, professeur. Parce que comme groupe, tout le monde connaît c'est vous qui institué, qui installer ce régime dans tel pays qui tourne maçon de la mort dans la société. Je le répète encore, qu'on me tue à l'instar du professeur ou qu'on m'appelle par devant la justice, je viendrai en main avec Haïti cette drôle de guerre électorale du professeur Sauveur Pierre-Étienne. Ajouter à même livre que moi, en accasisant et tant publié, pour me défendre moins devant le groupe, pour me dire que c'est lui qui a installé le régime tête calée pour tourner machin dans le pays. Et maintenant. Donc, par conséquent, Jacques, parmi toutes les instances internationales, ça y a cité, je dis encore au groupe qui est pour manager l'ambassade américaine, qui gagne là-dedans. Des ambassadeurs comme la France, l'Union européenne, n'appelons son fin de non-recevoir, au même titre que nous lançons fin de non-recevoir à notre groupe-là, à l'Assemblée nationale française, parce que ils passent sans savoir que deux instances qui pas existé, pièce côté dans le monde, que les collègues de professeur Dorval, je veux parler de professeur Denis Regis, de Henri Mage d'Orléans, enseigné le droit international public, pas ouais, dans la convention de Vienne, côté au palais de syndicat d'ambassadeurs dans pièce pays qui existait, Assemblée nationale française, où qu'on est une instance obscurantiste dans le pays d'Haïti, que les pauvres groupes, qui participaient. Non, mettez société à sous la roulette des bandits, la nouvelle se passe là. Et si je bien comprends, et professeur, et jouette là, puis Mangomé, jouette là, puis Marie, parce qu'il y a ce complot international à travers le corps groupe, et il y a les obscurantistes locaux et qui veulent que la situation reste telle qu'elle est, dans ce cas. Agissons sous la roulette des obscurantistes internationaux. Quel peut être l'alternative? Les obscurantistes locaux agissant aveuglément sous la houlette des obscurantistes internationaux. Et entre-temps, yo mette pays à l'ayant toujours. Côté que je le répète, seule issue qui réserve à lui-même, c'est la mort. Et la mort, ça veut dire nous engager le pays à un processus génocidaire pour répéter sa défaite dans le pays entre 1492 et 1503, les ont été exterminés
les premiers habitants de cette île. C'est-à-dire... Donc, je dis, ils ont embrayé nous le même processus génocidaire que ils ont fait dans l'Amérique, y compris sur la terre d'Haïti. Mais maintenant, depuis hier, une parole m'a dit, c'est que civilisation, ils n'ont pas assassiné, mais ils ont poussé au suicide. Est-ce que c'est ça que nous t'a arrivé là dans journée aujourd'hui, qu'on nous pousse au suicide, que nous mettons nos états concentrés déchirés et puis force obscurantiste et locale, tant qu'international ça, ils ont même pour sa carité et puis c'est Octave Banda. Ben oui, Jacques, vous savez une question bien. Et quand on parle de force obscurantiste locale et internationale, c'est la même semaine qu'ils ont assassiné le professeur Dorval, là, oui, que mon jeune petit figure intellectuelle qui trouvait, je suis capable de dire, l'équivalence, l'extrait film que vous avez regardé, ou bien qui a circulé sur net, là, qui est Madame la secrétaire, petite image de petit intellectuel, très intelligent, capable de porter un discours. Eh bien, c'est la même semaine ça, nous avons une image anti-intellectuelle tout, qui a répété bêtise que nous avons organisé l'élection dans la société. A, dans le contexte, nous est là, et c'est parole ça que le professeur Dorval parlait concret à lui-même, et nous dit c'est parole ça, même qui précipite la mort dans la société. A. Et professeur Dorval. Jacques, faut nous pas jouer encore dans la société là. Faut nous pas penser nous qu'à jouer encore dans le niveau que nous arrivons là. Non, pas jouer. Quelle peut être la prochaine étape? Non, et comme si nous pas qu'à jouer encore. Pas jouer la question prochaine étape là. Faut nous ouais, qu'à réagir. Instance qu'à réagir, faut pas hypocrite tout. Autrement dit, faut pas faire complice de l'inaction tant du gouvernement. Qu'est-ce de ces instances internationales dans ça qui doit être fait dans la société? Jodien, nous prenons un piège à coup. Jodien, le peuple haïtien prend un piège à coup qui fait que ces génocides qui étaient pour lui, il faut nous chercher ce coup, pour nous déjouer. Nous prenons le fini. Est-ce que vous entendez qu'a réagi, Jacques? Jodien, si vous voulez utile, dans la crise nous y est la société, il faut adresser au Conseil de sécurité de l'ONU pour yo dire, s'il vous plaît, premier grain de sable pour nous mettre la machine. Complot. Contre le peuple haïtien, c'est campé avec le renouvellement de la ministre qui au mois d'octobre qui va venir là. Et dernière question. Pour qui ça doit camper, Jacques? Parce que tout simplement, ça qu'on va genou là, qu'on s'y met la mort pour nous, c'est le résultat de l'entangeante ministre mettez nous. Et dernière question de fini, qui a parlé dans la même ligne, professeur Le Gagneur. Et sans dire là, question de génocide là, il est très possible. Mais maintenant, et génocide, les noms qu'on voit sont l'autre peuple qui extermine, etc. Mais est-ce que là, la situation socio-économique, cette précarité là qui prévaut dans le pays, est-ce que l'IPACA ban nous et des soulèvements, des explosions sociales qui ka rend nous compte que mettez nous dans situation et puis nous parce que disparaître? Jacques, son système kapaji et système là, l'action, la méthode d'action, la dimension programmatique action, les gens ont ensemble d'aspects. C'est le micro, là, nous avons analysé pour montrer que faiblesse pays d'Haïti, sous plan environnemental, de côté le situé, qui fait que la nature constitue une grosse menace pour lui, surtout avec phénomène réchauffement climatique. Nous te dit tout la micro là que l'homme société a tué système agricole qui fait qu'on vient dépendre de l'extérieur pour manger.
et ça y a voué pour manger yo que yo rempli d'OGM yo rempli d'antibiotiques et les arseniques qui c'est des produits cancérigènes. Ça veut dire quoi? Tout ça y a participé, c'est des éléments, c'est des facteurs qui entrent dans même mécanisme génocidaire là. Lors d'une société que port aéroport les tournées passoires pour zam entrer là-dedans, qui fait que pas j'aime bien 2-3 semaines qui passent pour pas attendre que zam qui là-dedans, alors que côté zam ça y a sauté, c'est des pays avec lesquels on a des accords internationaux sous question lutte contre le terrorisme, contre le trafic d'âme, contre le banditisme. Donc ça veut dire quoi? Le système qui mettait nous là, qui prend nous en piège complot pour faire un génocide, il y a plusieurs, codes dans la clé, il y a plusieurs balles dans le canon pour le tirer, pour le capable d'atteindre l'objectif liant. Ça veut dire que... Question de souveraineté que n'a parlé là, c'est blague parce que n'a pas de souveraineté n'a rien. Non mais l'éclair, nous toujours cité, nous pas jamais raté occasion pour ne pas citer professeur Sauveur Pierre Étienne dans l'émission ça. Mais c'est lui qui montrait que depuis 2015 avec l'occupation américaine, pas de souveraineté qui existait dans le pays. 1915. Elle dit bagaille ça. Lui 1915, lui aggravé en 1994 et lui rivé dans l'ultime conséquence li en 2004, et c'est ça qui mène le côté nouillé là, de 2011 à 2020, 9 ans, société a retourné leur situation grave qu'elle n'a jamais pendant toute l'histoire en matière de d'armement pour moun capable tuer moun, ça veut dire pour permettre même peuple haïtien encore les goumen tellement avec l'ombrage li jusqu'à ce qu'elle constitue pour fondre tête li. Mais gèdè gòs avec qui dit que nous dans situation de quoi dans Burundi oui là. Non mais ça veut dire quoi? C'est pas seul Burundi, pour regarder côté monde té qu'on a bagé pour mettre ou regarder Rwanda tout. Regarder Rwanda jodi hein, les recherches et les études disponible, oui, sur ce qui s'était passé en Rwanda en 1994. Donc, c'est l'ONU qui était présent là. C'est la France, oui, qui était présent là. Qui était concocté, organisé le génocide. Le pays. Hein. Les recherches, et il a fait en France. Ces recherches, il a fait en France. Ils mettaient mal à l'aise le pouvoir français face à cela. Si bien que je dis, il y a utilisé une forme, une sorte de diplomatie pour moi, de proximité pour atténuer cette situation. Et c'est ça qui fait que Rwandaise est arrivé à battre Michael Jean dans tête d'une organisation que les OIF. Et francophonie. Organisation de la francophonie. Par conséquent, je dis là, comment parler des questions? Haïti prend un engrenage géopolitique qui fait que nous avons besoin la finesse de Toussaint Louverture pour nous sortir là-dedans. Et que je parle de la finesse de Toussaint Louverture, il est capable de résumer en ces termes. Toussaint Louverture, tes gros objectifs qui c'était la liberté générale des esclaves dans ce domaine, quand il t'a offert la liberté, c'est l'altéye. Eh bien, je dis là, nous prenons un engrenage comme vous, qui a fini avec nous, quand qui participe là, qui a participé dans la libération et protection, mon nom, c'est là dans le bounier. Merci. Moi, dit, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a 5 membres et qui a 2 là-dedans, c'est des puissances d'équilibre. Faut que nous venons pour nous couper renouvellement, brigandage que les ministres dans le pays. Hein, et c'est pour le début des questions, là, nous décider qui ça nous veut faire pour nous-mêmes. Pour nous faire tête nous et pour nous chercher avec qui monde pour nous faire lui. Donc c'est ça qui a permis de nous éclairer. Merci un peu. Qui a écrit d'accord Jacques, mais les monde qui a écrit les 200 organisations qui a mis tête ensemble pour faire notre là, il faut qu'on qui a agi, sous qui levier pour agir et qui côté pour aller chercher aide. Merci un peu, professeur. C'est toujours un plaisir pour nous causer. Qu'est-ce que voilà, tout avec nous, professeur Jean-Hérald.
le gagneur. Avec, comme toujours, des philosophes, des idées très claires. Et donc, on va regarder la question. Ça. Nous, nous avons fait le nécessaire pour nous mettre en contact avec Yvenir Silafano, mais qui est difficile par rapport à l'information sur Bélair. Nous allons parler entre temps en attendant que nous jeunes et collaborateurs, nous, et la police, qui beaucoup gagner. Et dernière information sur ça qui passait sur Bélair, et nous parlons avec une responsable qui dit mieux beaucoup gagner information, mais n'a pas parlé avec M. Robinson Pierre, lui, qui est même ancien secrétaire au barreau de Port-au-Prince. M. Pierre, lui, bonjour. Son plaisir matin pour nous faire et parler ça avec vous, même si les circonstances sont très difficiles. Oui, bonjour, bonjour, tout auditeur Radio Pacifique. Bon, c'est avec mon cœur très triste ce matin que m'a fait parler ça. C'est pas. Nous attendons, nous pas ça du tout. Bon, malheureusement, c'est arrivé. Donc, et comme mourir les mains, m'obliger à parler. Maintenant, et où c'est un premier et collaborateur de Emmett et Montfégué Deval qui était parlé par rapport avec les menaces que tu as dit que la peur recevoir vendredi et au cours de la journée. Et même on l'autre confrère qui dit que probablement c'est à cause de menaces à faire et professeur Lant a rentré la Kaili et vers 10h du soir parce que d'habitude, il est rentré avant. Et l'autre est parlé avec lui par rapport à menaces à qui sont comprendre. Et Robinson Pierre, lui. Apparemment, l'homme de parler avec lui, il pas te montrer ça. Il pas te montrer ça, sauf que il était grand enthousiasme, je ça. Après, l'émission était finie dans la radio. Et puis, le matin, et puis, il dit une Pierre, lui, vous connaissez son belle émission, je dis. Et il me dit, mon patron, il me dit ça, non, vous me suivez. Et puis, il dit, moi, vous connaissez, pas professionnel, mais mec, non, mais même, pas d'accord, pas professionnel, mais mec. Mec, il s'y va qu'à faire une bouche, qu'on faut me parler. Bon, ça, c'est ça, le tab dit, mais j'ai 2h30, dans vendredi. Et puis, le livre dans le cabinet, il est 4h, il dit, monsieur, ça encore, même bagaille. Mais on sentit, on va aller, il était déjà crispé, parce que, monsieur, il dit, j'étais crispé, il est énervé, il a fait coller. Donc, il dit bon bagage qui est trop baptisé, il est tracassé. Donc, c'est ça. Mais personnellement, le parti, il y a tel monde qui a pris le téléphone ou qui a menacé. Mais il était sous-gardé bien et suivant l'expression d'Abbaye, c'est qu'il était établi clairement qu'il était sous le choc, il était sous pression et il était trop baptisé. Maintenant, et au niveau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, et nous réunis et Assemblée Générale à l'extraordinaire, et nous prend toute une série de dispositions. Et parmi les dispositions, ça a eu, nous condamner avec la plus grande véhémence l'assassinat crapuleux du bâtonnier Montfégué Deval, arrêt complet de toute prestation judiciaire jusqu'aux obsèques et du bâtonnier, et tenue d'une marche en toge au cours de la semaine, dissociation du barreau de tous les hommages au bâtonnier Montfégué Deval venant de l'exécutif et détermination en consultation avec la Fédération des barreaux d'Haïti pour obtenir justice pour le bâtonnier et Deval. Gagner toute société à Net Pierre lui qui a même sympathisé avec cause ça parce que et Montfégué Deval c'est pas seulement le bâtonnier, c'est un symbole au niveau de la société. Et n'a pas gardé ou encore tendé déclaration et Monseigneur Dumas qui lui-même t'a prononcé lui pendant journée samedi a qui très frustré par rapport avec acte crapuleux ça que on sait que t'as posé ou encore des bandits armés et eux-mêmes et ils ont fait jeudi à là nous décider pour nous prendre distance nous par rapport avec tout ça exécutif là t'as capable de faire un hommage avec et bâtonnier Deval. Pourquoi ce choix? Bon, c'est la décision de l'Assemblée. Et depuis avant hier, personnellement, au nom du Conseil, je n'ai pas parlé de plus d'intervention. Et je me suis dit que question pour soit gouvernement ou bien décidé pour être soit honoré, décrété 3 jours d'œil, faire ça au dit, mettre des apports modernes, que vous pas respecté d'ailleurs. Je me suis dit que ça va engager nous. Parce que l'heure d'avoir décidé. Il n'a pas demandé nos avis. Et bâtonnier a mouru, il mourut dans le quartier côté président habité. Et ça,
ces signes qui montrent que le pays a jamais devant le dîner ni dirigé, ni gouverné, ni administré. Et tout ça montre que faiblesse au niveau de l'État, faiblesse au niveau du gouvernement, et qui pour assurer la protection des citoyens. Donc imaginons, on paye taxes dans le pays, qui est très difficile déjà, on fait des sacrifices. Et que tout ça est là pour la sécurité, et puis là, il y a explosé, et tout le monde est obligé de la paix au ventre. Et puis comme Matoni a lui-même dit, il ne va jamais faire, il ne va pas faire personne. Et il est entré lâchement, il a assassiné la Kaili, d'un côté, un côté qui est supposé préserver, un côté qui est supposé sécuriser, parce que c'est le quartier côté visibilité. Ça n'a pas fait, et puis qu'on y a un abîme. Voilà, ce sera pas le bail funérailles national ou bien quelque chose sans monde a décidé de faire. Ça n'a pas aucune valeur, aucune importance. C'est un maquillage la pied. Alors que ça, c'est plus important, le droit à la vie, pas de garantie. Nous disons pas parce que c'est moi ça. Et d'autant que nous avons, au niveau du barreau, nous avons tradition. On a qu'un des traditions, puisque nous sommes une couplerie. Nous avons un jeune parfait, nous avons fait un jeune qu'on fait, un jeune qu'on fait pour honorer la mémoire de Maître Dorval. Maintenant, et il y a des gens qui suivent, qui sont aussi choqués, et même j'ai avec nous, au niveau du barreau de Port-au-Prince, mais qui ouvrait avec une autre image pour le fait que nous décidions de prendre distance. Nous. Et il y a des gens qui même pensaient que c'est un jugement et que nous avons déjà poté par rapport avec le crime ça qui fait sur le régime d'être calé avec Jovenel Moïse à la présidence. Et là, c'est comme si nous avons dit, mais écoute là, est-ce que c'est vraisemblablement que tu as déjà désigné et coupable au niveau du barreau de Port-au-Prince? Nous pas qu'à dire, nous pas comme ça. D'ailleurs, nous pas de qualité pour nous dire comme ça. Nous pas de droit de dire, nous pas de qualité pour nous dire sans ce qui est pété à là. Mais mon jour, allez-y. Nous libres, nous avons droit offrir aide, nous n'avons pas besoin. Nous avons droit de mettre disponible pour nous dire, nous pas besoin de ça. Donc, son droit de gagner pour me refuser. On confirme. Donc, si on pense que c'est parce que nous pouvons juger de condamner tel monde, ça c'est à fait par eux. Mais nous-mêmes, nous ne pas condamner personne. Nous sommes pour la distance. Pour la distance, on voulait dire pour nous préserver. Parce que nous sommes une corporation de grande sensibilité. Il y a toute qualité de monde là-dedans. Mais en même temps, tout un paquet de monde a gardé sous nous et qui pourra le côté jugement après. Bon, imaginez. Nous, là, nous sommes gouvernement capable de profiter de faire tout ça, ils voulaient avec nous. Et bien, vous pouvez souiller encore en plus, mémoire, notre Dorval, notre parti, notre critique, notre bagage. Bon, pour cet exemple, avant, le gouvernement dit, il déclarait 3 jours d'œil, il déclarait pour mettre des drapeaux en berne. Au palais national, on n'a pas mis des drapeaux en berne. Dans les institutions d'État, on n'a pas fait ça. Vous avez dit quoi? Ce sont seulement des blagues du tabac. Donc, nous-mêmes, tout nous dit, puisque va gagner un sérieux dans sa tête, vous décidez pour nous prendre distance, nous. Mais distance, nous, en action éventuelle que vous avez fait. Mais ça va veut dire que nous ne condamnons personne, nous, ça va veut dire. Tout le monde a dit ça. On est que c'est ou bien la chercher contre, ou bien la chercher accuser nous-mêmes, la chercher faire nous plus trop encore, pour capable de l'autre monde qui vous connaît, ça pour arriver. Parce que nous ne pas croire que le fait que nous prenons distance, nous avons un voisin, un ami qui vient bon, aide, nous pas vrai. Donc, si nous ne voulons pas forcer, nous ne voulons pas. Et une petite question que je vais poser, qui est presque dans la même lignée, mais et qui a pour petit détaché tout petit. Et c'est sûr que ou un tweet et que jeune avocat ça lui-même il y a fait yo, et mettre Gerbi Blaise et qui c'est, je pense qui c'est mon barreau pour tout prince, même j'ai avec vous, ça dit nous qui ça au niveau du barreau, par rapport aux menaces qu'il aurait reçues. Je ne sais pas si je ne pas vraiment où est tout ça, mais M. Blaise, je ne sais pas quoi de bouquet, je ne sais pas quoi de bouquet. Mais maintenant, et est-ce que il y a des démarches qui a faites, et je dis à la maître Pierre Louis, pour que nous t'a demandé des instances internationales, venir aider ou encore venir supporter la DCPJ dans le cadre d'enquête ça? Parce que l'EMTAN des Fédérations des barreaux qui a parlé au niveau du barreau du Port-au-Prince, c'est comme si tout. Je suis capable de dire toute bataille là, nous voulons mener pour que M. Dorval arrive à jouer une justice pour nous connaître vrai coupable et la société a voulu mettre accent sur ça. Vrai coupable. Est-ce que dans ce sens, nous avons demandé renforcement et d'autres instances internationales pour aider nous dans l'enquête, s'il vous plaît?
bon, nous pas à cette phase. À cette phase, nous n'est pas encore arrivé. Cependant, nous opté pour gagner une commission d'enquête indépendante que nous-mêmes avons créée, avec des personnalités là-dedans, et qui est crédible, qui a mis des pressions pour aboutir à résultat enquête là réellement. Nous connaissons tout ici, par exemple, de gagner Maître Amis qui était mort, qui était venu exécuter dans le cabinet. Il y a un mais qui fait ça là. Mais il était là, et seulement qui exécutait à rien. Mais tout le monde qui était foyer, mais qui vient faire là, chaque temps, question posée, qu'est-ce qu'on a été des machines d'absuyer? Et donc, il y a un qui veut même venir jeune. Mais ma jeune, il va me zamer. Et pour mal tirer. Après ça, l'aime fin tirer, il prend zamer. Et l'autre n'a quitté beau zamer. Non, c'est monsieur qui te prend la même, il va même pas, monsieur même pas qui est qui te pote ça. Donc, tout ça, c'est. Et même bah là, je vois, il y a des affaires là, bon, des malheurs là, qui viennent qui te tirent, qui est-ce qui te vole? Pour des jeunes âmes ça, tout, et pour le contrôle, bah, ça, qui est-ce qui fait? Donc, nous disons que nous ne pouvons pas dire que voilà, bien, on enquête, nous, enquêter internationaux venir, ça, ça ne dit du tout. En tout cas, nous pouvons arriver là. Si l'âme bien, nous pouvons arriver dans la façon. C'est pour l'État qui prend la responsabilité, c'est pour des CPJ qui prend la responsabilité. Et tout, il y a des policiers scientifiques, des CPJ, il y a tout le monde ça. Si technique, il y a là, étranger aussi, ça va être utilisé, bien, il y a là tout, dans la même barre là. Donc, c'est pour dégager, mon œuvre qui va, pas professionnel, personne, monde, qui va résultat. Il dit, mais qui est monde qui concerne. Mais là, moi, mais Doval. Mais Doval, pas ton vagabond, mais Doval, pas on pour rien. C'est quelqu'un qui a été utile à la société et qui a été professeur pendant 27 ans et qui a rendu service à la société. Donc, on ne peut pas apprendre pour ça, pour qu'il est facile, mémoire, il va faire sens. Et nous ne pouvons pas pour ça. Et nous disons jusqu'au bout, et nous avons goûté pour ça arriver. Et nous avons pris l'institution internationale qui est liée avec le barreau de Port-au-Prince au niveau. Soit CIB, les autres barreaux internationaux, barreaux de Paris, etc. Le monde sérieux, c'est le monde qui, eux-mêmes, tout est concerné dans la moi. D'ailleurs, j'ai embrassé pour ça, comme si c'est Bête d'Oval, c'était un membre dans le barreau, Paris, ou bien quel que soit barreau, qui en Afrique, c'est le monde qui est concerné. Donc, nous disons, nous ne pouvons pas camper là, on a persisté jusqu'à ce. Et même, en vérité, tendance, c'est qu'ils n'ont pas fait justice, ça confiance. Et il y a raison pour ça. Mais nous-mêmes, nous disons que ce pays, nous, on a persisté. Au moins, la justice en Haïti va montrer que ça a été créé par ça. Et il y a fait un résultat. Et tout auteur, co-auteur, complice, tout le monde qui est lié dans la question du crime, ça et capturé ça, faut qu'ils aient identifié, faut qu'ils aient déféré devant la justice, faut que jugé et condamné pour y aller ça au faire. Je dis à la nous pas qu'on mobile et assassinat mais Doval là concrètement qui disposition sécuritaire qui prend au niveau de son cabinet et de son et de son domicile. Bon, malheureusement disposition nous te prendre au conseil de l'ordre nous qui t'en mettre scellé selon la loi parce que la loi exige sur le cabinet à faire nous mettre scellé et conseil de l'ordre la faire mettre scellé sous cabinet jusqu'à nouvel ordre. Mais pour la CARI, ma première soir, ils ont vandalisé la CARI. C'est vrai ou pas? Pour qu'on finisse une confirmation, nous avons vérifié ça malaisant. Même quoi que, selon mon soutien, ça, ils ont vandalisé la CARI. Comme c'est déchouqué la CARI. On va finir par ce qu'on s'en rend lieu de crime. Non, mais non. Qui va sécuriser, nous trouvons ça vraiment. Je ne vais pas dire méchant, mais c'est le Kaila, c'est comme si c'est lieu crime, non? Son scène de crime. Si son scène de crime, c'est pas n'importe qui monde que vous assassinez, c'est M. Doval, le commissaire du gouvernement, pas mettre et pas prendre des dispositions pour sécuriser l'espace-là, encore pour sécuriser scène de crime, non? C'est là, bon, c'est le commissaire du gouvernement, la police, le CPJ, tout le monde, c'est que ça, ben, immédiatement, le crime, non, fin fait. Il y a pris la disposition. Pour open enquête. Je ne sais pas supposé sécuriser, je ne suis pas supposé passer devant barrière ça du tout. Peut-être supposé qu'on patrouille ou bien qu'on brigade en permanence pour là. Bon, malheureusement, on dirait que ça n'a pas fait. Pas de dernier détail là, malheureusement. Même que selon ça m'apprenne,
la maison a été vandalisée. Maintenant. Donc, on preuve de légèreté encore, si c'est vrai. C'est une preuve de légèreté, de grande légèreté. On souhaitait que ce n'est pas vrai. Et par rapport avec ça, on cherchait des informations pour qu'on soit capable de confirmer et si c'est vrai ou pas. Et qui joue dans ce maintenant, nous comptons faire marche symbolique ça? Bon, marche symbolique là, nous faisons parce que c'est d'abord une marche nationale. Ça veut dire que tous les 18 juridictions qui peuvent manifester. Et ensemble, dans le même lieu, dans tout le pays. Donc, la décidé matin, nous gagnons une rencontre. Via visioconférence avec les 18 bâtonniers. Les 18 bâtonniers, nous gagnons avec d'autres membres, anciens membres de la FBH, qui ont réuni et puis nous avons décidé le jour avec l'heure matin. Avec diverses midi, une heure, tu as supposé qu'on est qui l'est, qui joue, qui l'est, et manifestation ça a réalisé pour rapport au prince. Et dans les autres villes de province. Hier après-midi, moi, je vois un message de Maître Jacques Néoxilus et qui annonçait que l'équipe d'Orval, jusqu'en fait mandat, ça veut dire que nous comptons au niveau du barreau de Port-au-Prince, Kembe reste équipe et Maître d'Orval là, et fini, mandat, il a commencé là. Bon, la loi dit qu'il s'est pour faire, donc c'est vrai, l'Assemblée générale, la liste souveraine qui a décidé, mais. Bon, c'était M. Kulis qui fait son vœu qu'elle gagne, il souhaitait que ça fête. Donc, on est nous-mêmes, nous sommes condamnés à respecter ce que dit la loi. Mais, pour qu'on y a, nous, pour qu'on ait ça, ce n'est pas ça qui est plus préoccupant, nous. Parce que la loi dit comment vous le faites là, en Afrique, il dit, mon qui vient de Matonia, il est là pour lui faire dans le mois. Il dit, dans le mois. Il dit, n'a pas fini de régler tout ça, vous régler. Après ça, nous avons fait une convocation pour un conseil, pour une assemblée générale formelle. Il est ça, lui-même, la pré-décision, qu'il jugeait. Le bâtonnier qu'il a, son bâtonnier AI, et, il a pour ce mandat. Si c'est ça, il est décidé, mais la loi, nous n'avons pas qu'à contourner la loi nous-mêmes. Si nous n'avons pas d'exemple. Okay? Mais c'est seulement pour le poste de bâtonnier. Les autres. Oui. Merci un peu, Ephraim, et nous sommes contents de battre Boussakou. Et Kembe là, et puis un peu le courage. Merci un peu, et puis la maman de l'avocat, pour Kembe, et pas décourager. L'écla difficile, comme tu dis, et pour à la manière de tous ces ouvertures, on a abattu le tronc de l'âme de la liberté. Mais bon, bagage qui est intéressant, c'est que les racines sont profondes et nombreuses. On a abattu le Doval, mais les avocats sont nombreux, et bien ils sont déterminés. Et jusqu'au bout, on va y arriver. Merci. Voilà. Merci un peu le maître Robinson. Pierre, lui, est secrétaire au niveau du barreau de Port-au-Prince qui était avec nous. Nous prenons pause et drapeau à Olivier et tout de suite. Et après, nous prenons et persister pour nous venir si la fin avec porte-parole l'an après. La police a garé des osiers parce que nous on a parlé à la police pour qu'il y ait une dernière information sur la situation. Mais la pause tout de suite. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Doit dans le travail, doit pour jouer un petit morceau la justice, doit pour faire respecter bien à l'honneur, dignité ou liberté. Pacifique FM a présenté le mot du droit. Droit mental qui pour dire fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Dans tant longtemps, question justice et sécurité à Techita avant tout, sont question de clan. Chaque groupe te cherche à organiser, mais te tête ensemble, non seulement pour te faire régner la paix dans le temps tout membre groupe là, mais tout pour te défendre tête contre toute forme d'agression, toute attaque avec mauvais actes dans l'autre groupe. Et, le membre d'un clan, des victimes, dans non solidarité ça,
non seulement tout clan est prêt pour te assister victime là, mais tout pour te venger principal agresseur et même tout groupe adverse. C'était le règne de la responsabilité pénale collective. Mais je ne vous dis, toute société civilisée admet que aucun groupe humain pas capable de fonctionner dans la question œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pour ça droit légitime ça que chaque grain citoyen gagne pour assurer propre sécurité, pour faire tête de justice pour contre client chaque fois la victime dans intégrité physique, dans bien li, dans honneur li, il délègue exercice droit ça à une personne morale qui relève l'état. Comme ça, leur malandrin ou bien un groupe malandrin amusé ou dans commettre mauvais actes que ce soit dans tout le monde, dans faire déjà que ce monde, dans voler à faire monde, dans craser briser ou bien mettre du feu dans bien monde, même si victime ou bien parent victime là, pour une raison ou bien une autre. Soit par exemple pour raison d'ordre affectif ou de conviction religieuse, t'as choisi pas poursuivre autre mauvais acte là, l'état lui-même au nom du respect de l'ordre social établi, doit intervenir d'office, mettre l'action publique en mouvement. Bousquer escamoteyo, akweyo, mareyo, traîner devant tribunal, appliquer peine que la loi prévoit qui correspond à mauvais acte là, condamner yo, déposer en prison, non seulement pour pas jamais prendre chance de société encore, mais tout pour voyer un message clair à tout l'autre à tout faire pareil yo, pour dire attention, l'on comprend nous qu'à vivre notre société à tête en bas, et ben mais ça paraît aptant nous. C'est pour ça c'est à l'État et à l'État seulement. Constitution avec la loi confier ça au relais le monopole de la puissance publique ou encore le pouvoir exclusif de la coercition pour obliger tout le monde, quel que soit pouvoir politique ou économique ou rang social, respecter l'ordre social établi et au besoin manu militaire. Ça veut dire même si l'État obligé utiliser la force publique. Il ne suffit pas qu'un État ait une constitution, la loi. Et puis, tête d'institution pour l'État, ça a une stabilité et par conséquent pour la marcher sur route pour progrès. Il faut surtout que l'État ait tête les moyens et manifester volonté pour appliquer et faire respecter la loi, qui c'est seule condition pour chaque grain de monde joindre garantie sécurité yo, et pour l'État, ça arriver prospérer et fonctionner bien. Par contre, si organe d'État révélé impuissant, insouciant, corrompu, incompétent ou bien en confus l'eau, connivence avec tête langue avec réseau malandrin avec fauteur de trouille. Bref, l'État n'a pas pris responsabilité pour affirmer l'autorité. L'autorité a vint chita nommé à tout fait qui pi arrogant, qui vient croire que l'autorité by tête il doit pouvoir faire régner propre autorité pâle au moyen de la violence et puis disposer de bien à la vie monde, j'ai l'idée de dire. Dans le cas ça, des ordres viennent remplacer l'ordre. Anarchie vient remplacer la légalité. Impunité remplacer la justice. Et même existence l'État ça, parlons disparaître. De l'autre côté, tout État a intérêt pour cultiver respect l'autre État, il a développé rapport avec you et puis attirer investissement étranger pour plus monde qui a joint travail dans la société. Mais c'est pas un conflit gorge, dans fait jolet, répétons une série de gros mots tant que souveraineté, nation indépendante, première république nègre du monde, c'est pas ça qui a fait ou prend au sérieux vrai et respecté. Mais pour commencer à respecter tout bon vrai, c'est seulement là où même ou bail preuve qu'on prend tête au sérieux. Et seule façon pour bail preuve ça, c'est là où commencer montrer ou décider faire tout monde respecter la loi avec institution qui régit fonctionnement en tant qu'État. En tout cas, d'après constitution pays a qui c'est fondement autorité l'État. Depuis un monde de choisi pour venir occuper poste président et premier ministre pays a, c'est dégage au cou qu'on est, mettez quand son en taille pour faire établir l'ordre. Garantir la paix et sécurité dans quatre coins pays. Mba jam tande yo force personne dans pays ici pour vin chef. Kizi donc, ou pa ka dim a profin fè toute qualité maninguette à vieux combinaison pour arriver dans tête état et puis pour juste contenter ou a vu tout avantage et privilège fonction bay pendant que ou prend pause bouche géo ou pa wè ou bien croise bras a assister pays ka fin détruit. Article 136 constitution dit président république là c'est chef l'état. L'île là pour veiller pour tout le monde respecter la constitution. Et puis faire sa constitution en mandé pour faire. Pour veiller pour toute institution qui était jam, ten face. L'île là pour faire pouvoir public marcher régulier. Pour l'État continuer l'État qui est raide dans toutes circonstances. Tandis que, article 159 et 159-1 constitution dit, premier ministre lui-même, il a une responsabilité pour faire exécuter tout ça la loi mandée. Et dans tête ensemble avec président,
les responsables défense nation. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Red branché. N'a tourné talent. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour c'est un petit mot de syllabes qui ca l'ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui a aidé un prochain passer une bonne journée? Ça c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça la vie va plus belle. Ça c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer rapport mon ak moun nan pays a. Pour référence BRH pour mardi 1er septembre 2020, c'est 116 goud 42 ou $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié. Taux référence là disponible tout le temps sous site BRH là www.brh.ht sous compte Twitter BRH BRH Haïti ou soit ou carrelé centre contact BRH là gratis dans 80D74. 116 goud 42 ou $1 américain. Maman, canon machine. Faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, patate, ça c'est Subaru. Yes, réveille-moi, nègre, du sol, Subaru. Bagne pas dans ma chat, aime Subaru. Yes, faut mister crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, patate, ça c'est Subaru. Réveille-moi, nègre, du sol, Subaru. Yes, bagne pas dans ma chat, aime Subaru. Subaru, mettez-moi, frère, mettez-moi. Chaise malaise moule soir qui machine lick swap jeune n'a pris ça yon machine japonaise wa di konnichiwa konnichiwa kado chassis machine de classe si c'est pas le vire regardez les ma passe auto mes kado vitesse kado sécurité kado pas ka passe kon Subaru toujours passe pour mister crash check ça c'est Subaru vum vum patate ça c'est Subaru je peux mon nègre du sol Subaru Subaru pas de prendre un washa aime le Subaru Subaru pour mister crash check ça c'est Subaru vum vum patate ça c'est Subaru. Sous ta reme gon Subaru, même j'en vem, vin jwenn nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Wouta Yopoa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeka.com. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI tamen yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti. ONI a profité rappeler tout le monde délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyens tout partout dans pays a, marché pressé, tout bureau ONI déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demande yo et puis ba yo service pressé pressé ak bon Jean accueil. Ou doit marcher ak youn nan pièce si la yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remé mettez nom mari ou sous 4 signes. Songez marcher avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est en 4 multibiométriques. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte droite li, empreinte gel ak reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc, pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau sin, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résiste ak glo, chalet, et puis ba yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade, doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gen nouveau 4 avant date 16 octobre cap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour monde. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le tefel là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvrir 7 jours sur 7 pour servir population hein. Moun kap vive ak yon handicap gen priorité dans tout bureau ONI. Pas attendre date 16 octobre arriver sous nous pour nal faire 4 là. C'était un message Office national identification ONI. Compagnie non arrêté Pinson SA. Elle n'a pas aucun autre nom. Pas prendre un fromamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Ti Pinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc Ti Pinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 2816 1140, 2816 8020.
Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Au Cap avec 87 chaînes. Mon Cap va déchaîner. Passez prêter l'Haïti pour là, la locale Access Haïti ou bien Aïnet qui pipe là. Ou carrément nous tout. La 2943 30 00. T'as dit depuis la pluie tombée, toute l'autre disparaît. Nous même télé Haïti, nous n'avons tout parapluie. Avine dit ça. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un bateau pour faire voyage dangereux sa yo, qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 Haïtiens qui ont été menés retourner au Cap Haïtien, après l'autorité Zile Tekken Kaikos Tekken Bebato et voyage, montrez-vous l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie dans le genre de voyage ici. Pays États-Unis partage des pays d'Haïti pour yon des meilleurs pour peuple. Et puis, nous continuons à travailler pour yon Haïti qui est plus sûr, qui gagne plus sécurité et puis plus prospère. Chauffeur propriétaire machine qui t'a remis teinté, filmé vite machine yo, ou bien qui déjà gagne vite machine yo, filmé teinté, DGI voye fait nous connaître, article 10 décret budget 2019-2021, fait nous obligation pour nous passer dans la direction générale impôt qui pi préau là, pour venir payer, pour qu'à joindre autorisation. Mes documents pour nous porter, papier machine nan, faut qu'on pas de vignette, matricule fiscale, permis de conduire, pièce d'identité valide, ak montant l'argent qui c'est 10 000 goudes. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiscal ou patent valide, carte d'immatriculation fiscale, papier machine nan en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10 000 goud la. Pas oublier, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout monde. Si ou pas gen autorisation DGIA, ou apren contravention 20 000 goud. Marcher avec autorisation dans ma machine pour pas aller nous raconter et puis payer contravention tête nègre. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernées. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement.
Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Suivez tous les samedis de 1h à 2h PM, Mise à jour. Mise à jour, une émission de technologie et de multimédia. Actualité, astuces pour les périphéries portables, laptops, imprimantes, logiciels et autres. Mise à jour, une émission de débat sur les technologies de pointe avec l'ingénieur Michael Boussicou. Mise à jour, tous les samedis, de 1h à 2h PM sur Pacifique FM. Impression. Radio Pacifique a invité au côté chaque jour, sorti 11h rivé midi 30, Impression. C'est une émission 90 minutes, côté ou même auditeur, n'importe côté où sous la terre, ou capable de briller pour bailler impression sur yon sujet, yon thème, qui a fait voix nation arrivé bon côté autorité. Yon dossier qui a dominé l'actualité. La Radio Pacifique, non pas de tribunal, c'est impression ou même auditeur qui comptait. Relé pour bail impression, 46 13 10 10, 44 08 10 10. Semi-colibre, sans discrimination, sans contrainte animateur. Radio Pacifique, voix qui bon côté là, dans une autre radio pour un autre pays. Radio Pacifique, qui nous branche, écoutez et puis tendez. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Plateau Central, La Timoni, Port de Paix, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel, et puis dans la diaspora, à même passion. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Il est 8h15 minutes. Bon, on est déjà à 18 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de cette édition. Et nous allons continuer avec les autres informations. Oui, c'était loin, mais bien avant, il n'a pas fait un dernier point sous l'incident qui passait hier. Est-ce qu'il y a un incident Jean-Amboise et ça qui passait bel et et écoutez que la population en contraint pour quitter Caillou. Nous songeons que ça t'est passé la saline déjà. Incident. Mais le plus mal coïncident. Mais ça m'a dit que nous sommes comme ça. Mais c'est nous-mêmes qui connaissons, vous connaissez, sont quelques nous. Et là, c'est une situation difficile qui a fait dans le pays. Et bandit contraint la population à quitter Caillou. Je m'attends à une dame qui dit qu'elle gagne trois petites. Et on n'est pas dit tout, dit tout, dit tout, dit tout. Et là, il y a eu une virée en masse, tout près, palais national. Et nous espérons que ça c'est un drame qui va prendre pour que yo même yo assurer que situation ça va pas au produit encore parce que monde qui a vivent dans zone marginalisée ça très souvent Jacques-Amboise à chaque fois que situation ça va présenter eh bien monde yo vivent une situation qui est difficile qui est compliquée pour la vie. Bon et là peut-être un jour là pour y souvenir et c'est d'arrêter les bon sociologue on Michel Souka par exemple et donc avant la veille parce que qui est arrivé ce qu'on est non soit à cap fait dans zone Bel Air Timas de ma 18 c'est pas la première fois là c'est la soupe en histoire récente après c'est pas la première fois c'est une zone qui est toujours chaud qui est toujours un problème mais 57 c'était même pépé plan dans la saline Bel Air toujours dans notre réalité. Et il y a des gens qui mouillent. Surtout dans la période où on dit pas l'élection, la période qui est mouvementée comme ça. C'est-à-dire, c'est des situations qui sont vraiment compliquées. Et puis, l'autre bagaille qui gagne encore dans Jean de Quartier Sao, et ceci, ce n'est pas seulement en Haïti, c'est tout côté qui gagne ghetto. Et en France, on a besoin d'un banlieue. Il y a deux bagailles qui fait pour ta gagner pour nous sortir dans cette situation difficile là. C'est solidarité, c'est-à-dire que tout connaît même problème, même difficulté, ils mettent tête ensemble pour yo comment on ca sortir, comment on ca résoudre problème et quartier ou du moins yo lever contre l'autre gang. Yo n'a tué l'autre. Puis quand on a regardé dans cinéma dans gang là, yo ba et ça qui plus facile, c'est armer yo dans faire plusieurs gangs. Et puis, yon a bataille contre l'autre. Ils s'entre-déchirent, ils s'entretuent. Et c'est ça qui arrivait un peu le fois dans le quartier populaire. Et
c'est ça qui a privé tout dans zone ça parce que sous temps des habitants qui a parlé moun yo dit qui vient tirer sur eux c'est moun qui voisin yo qui tout près yo c'est-à-dire c'est une situation vraiment difficile catastrophique chaotique et qui a mené tout droit en bas botte ferré comme si vous botte ferré retourne encore même gens en tout cas son situation et qui difficile par rapport avec ça dans vivre dans pays là. Journée, je vous dis à la pays en bas qui compliqué pour nous tous et Jacques Amboise. En tout cas, on a suivi la réalité là. Et encore une fois, mon monde belle, nous sympathiser avec eux par rapport à la situation difficile. Mon Aritima, c'est Carrefour Pays, Delma 18, Riel Maya, Delma 6, et zone Lissi Daniel Fignol, les côtés que nous apprenons hier qui était gagné. Et on confrère Cap Travanais RCH 2000 qui t'assemble était trouvé dans une situation difficile dans la zone Sahara. Et même Jean Tout, il y a un responsable école que monsieur était pris en otage en dedans. Gon situation difficile et t'as regardé la fumée qui a sorti dans la zone. Nan, pile cartouche a tiré, et bien caïboulé. Et c'est ça qui est passé. Et nous on a parlé à la police au niveau de la direction départementale de l'Ouest pour qu'on puisse communiquer autour de cette question, pour qu'on dise ça qui passé, à qui ça lié. Qui est ce monsieur Damsao qui gagne tout pouvoir pour entrer dedans à terroriser la population? Nous, quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, c'est pour l'autorité, eux-mêmes, ils vont prendre responsabilité à tout bon vrai et dans le pays, ça pas bon ici, parce que le pays n'est pas capable de continuer comme ça. Ça veut dire que pendant que chaque jour qui a passé, nous avons vécu une situation vraiment, vraiment difficile dans le pays. Et gagner. Pendant que nous avons parlé de questions à Jacques Amboise, il y a un paquet de monde et qui ont même à vivre une situation compliquée. Par exemple, l'Engadi Maron Souwe et note que CSPJ, M. Dewa Jacques Amboise, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, qui m'a dit juge pour camper sous toute séance jusqu'au funérail de et bâtonnier Montfégué d'Orval. C'est pas possible. Et c'est ça ma vie là. Parce que là, c'est vrai qu'il y a des décisions qui apprend. On est capable de dire par rapport avec l'euphorie qui gagne, suite à c'est une bonne décision, on est capable de garder le constat. Frustration plutôt. Mais maintenant, c'est même pas frustration parce que là, il faut que nous essayons de garder qui ça va gagner comme frustration sous système. Non, monsieur dit par rapport à l'euphorie qui gagne. Non, c'est pas frustration. C'est le non-respect et le droit de paquet de l'autre monde. Le droit de l'autre monde. Non, mais je constate au cas où que doit mettre Doval et monsieur Cédéloi. Doit mettre Doval pour le palier. Mettre Doval déjà mouru. Monsieur Cédéloi. Mettre Doval déjà mouru. Non, maintenant, qu'on a exemple tracé pour. Non. Et c'est pas leur campé d'avant là. C'est pas leur campé d'avant. Maintenant, c'est Jean. C'est campé pour combien de temps? C'est Jean où ça dit là. Jusqu'au funérail. Il est qu'il a fini à la fête. Le funérail là, pas pour moi, vous le faites. Monsieur Cédéloi, on ne peut pas parler de moi pour la justice va fonctionner, Moïse. Il était toujours. Non, ça me dit, il n'est pas pour moi. Même si c'est une semaine, Moïse. Il n'est pas pour toi, c'est une semaine. Pas deux jours. Non, mais Moïse, même si c'était deux jours. Non, mais c'est. Et les griffiers au camp de travail. Juge au camp de travail parce que c'est anomalie, c'est désordre. C'est désordre. Non, mais on pas touché. Pas touché à tout son désordre, tout Jacques. Attendez. Pas touché à ce désordre. Je ne vais pas faire revendication. Non, je ne vais pas faire revendication, non. Non, mais il faut faire juste équilibre. Non, pas équilibre. C'est équilibre nous voulons faire. Qui fait qu'on a parlé comme ça. Yo pa gen droit pour pas payer. C'est pour ta payer à l'aise. N'a pas de griffier. Tu veux le droit. Attendez. Ça c'est il a parlé de griffier. Il a parlé de juge. Mais maintenant les juges décident. Yo dit jusqu'à ce que finiraille mettre Doval chanter, yo pas siégé. C'est pas correct. C'est pas correct. Ça que fait pas correct. Parce que entre-temps il y a des gens qui sont en attente de justice. Il y a des gens qui attendent pour juger, puis soit pour condamner, soit pour libérer. Dès que justice n'a pas parlé. Dès que justice n'a pas parlé. Ça, monsieur, a cherché pour mettre Doval là. C'est lui. C'est lui n'a pas parlé. C'est enquête pour qui mène pour mettre Doval et justice. Combien de fois nous menons enquête déjà pour les gens qui mourent ici? Ça veut dire gros problème. Ça veut dire que où sont les gens qui n'ont pas pour aucun état de droit? Comment? Ou pas là pour bagaille au fait non, mais ça pas comprendre non c'est que fuck monsieur ou pas comprendre non c'est fuck monsieur passons en action passer à l'action pour que monde qui mérite prendre décision action pas veut dire que faut ou camper non mais si c'est camper pour camper pour monsieur pas conscience de ça peut-être d'accord comprendre si on te dit pas fonctionner à plein temps je veux dire qu'on fait là. Oui, non, là, Moïse, oui, non. Ça veut dire que, c'est spécial. Non, journée, il y a qu'à faire, en deux heures de temps, camper. Je peux comprendre.
on va dire mon camper de façon systématique. Donc si c'est camper, monde qui besoin de justice. C'est camper pour eux, camper pour monsieur. Parce que pour monsieur la vie pas tous les on arrive nous toujours n'en fait et émotion sentimentale. Et... La vie pas très humaine à mettre pour figure d'oval. Non mais c'est vrai que attendez qui t'aime fini. C'est un citoyen très important. Un gros professeur, éminent professeur. Mm. Et qui était là, pas de problème avec ça. Mais c'est pas parce qu'elle mourit que la vie finit. Non, mais maintenant, mais... ça qui est important, c'est pour nous mettre balise, garde-fou, pour nous faire tout ça capable pour une justice. Pour nous faire entre-temps, la justice pas suspendre. Okay. Société a pas suspendre. Ça nous passe. Mais il y a un débat, monsieur Bao, il fait qu'on est que ça mouvement à faire. Yeah. Bon, c'est M. Doval qui déclenche parce que c'est bâtonnier. Bon, mais il n'est pas concerné seulement comme si M. Doval a demandé justice pour M. Doval. Parce que dans le week-end, non seulement il y a près de 5 personnes qui mourent. On est d'accord. Donc maintenant, faut qu'on, comme vous-même, vous êtes un acteur important dans la question de justice en Haïti. C'est vous avocat, c'est vous greffier, c'est vous juge, etc. Vous campez toute activité, vous campez le système judiciaire là pour que l'État. Ils n'ont pas ce droit. Pour que l'État. Jacques. Écoute. Non. Moïse et c'est une station à faire. Choisis enfin. Non. Et même je vais dans choisir à la c'est parce qu'il ne respecte pas les gens. Ou qu'on grève son droit. Ou qu'on grève son droit que chaque monde gagne dans le pays. Ou qu'on grève son droit lié. Okay. Moi-même, ça qui m'a dit, Jacques, pas de problème avec ça. Mais il y a des secteurs qui n'ont pas qu'à faire grève à 100%. Monsieur, nous sommes très dangereux. Allez, un second. Sous-point, le secteur médical. Le secteur médical pas qu'en grève à 100%. Même si on fait grève, c'est pour qu'on partie, moun qui l'a pour les soins du jeu. Il pas qu'en grève à 100%, mais l'État qui a fait yu, moi, le va payer. Jacques. Ok, Moïse, vous comprenez, et nous comprenons, et ça que vous voulez faire passer, et Jacques, je pense que c'est très important par rapport avec le débat que nous avons fait. Mais je souhaite que pour les gens qui ont capté, que nous n'avons aucun problème avec ça qui a dit, parce que ni moi-même, ni Jacques, qui n'ont pas marché dans la même logique, et Moïse, et l'un mot. Et mon figure d'Orval, il affecte nous au même point que tout le monde dans la société, au même point que bateau et bâtonnier à IA. Non, mais d'Orval à tout l'autre. Oui, à tout l'autre. Bon, particulièrement pas d'Orval. Particulièrement et pas d'Orval, il affecte nous au niveau ça. Maintenant, par rapport avec cette question de grève, quoi parler là, on n'a aucun problème que avocat ait décidé ou dit, il y a campé travail jusqu'au funérailles de Maître Doval. Il n'y a aucun problème avec ça. Oui. Mais maintenant, on parle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire qui c'est un trois pouvoirs qui gagne dans l'État. Et qui l'a pour assurer de questions justice. Campé sous travail jugio, magistraio, les décisions vinies de la part d'une association de magistrats, c'est autre chose. Mais maintenant, les décisions en vini de la part du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont l'autre bagaille nettement différent. Ça veut dire que CSPJ qui prend décision vraiment lourde sous système. Nan. Parce que si c'est greffier qui va travailler, ok. Si c'est juge qui va faire un campé, ok. Association APM. Même c'est dans le barreau AMD. Non. On ne vous parle pas que du barreau du Port-au-Prince. Moi-même avec Jacques, on a parlé directement de la note du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui m'a aidé à ce que pour yo, sur source ou décision yo, judiciaire yo, jusqu'au funérail de bâtonnier Montferrier d'Orval. Et c'est ça que nous-mêmes nous avons regardé. Maintenant, ok, allez-y. Pour finir le chapitre, oui, on a fini à ça. En suivant que la décision a fait une fête, il y a une décision, il y a une arrêt de travail là. Et puis, demain, dans le lendemain, nous jouons tous responsables du crime et M. Doval là. Nous jouons les gens qui ont fait ceci, nous jouons les gens qui ont fait cela. Ça, ça revient à la police, ça revient à la police. Ça n'a pas dit ça. On a dit que tu as raison. Attendez, on a parlé là. Mais c'est. Bouge même bien là-bas. Pas aucune façon pour rejoindre demain. Ni ça. Après demain. Ça fait ça. Ni non moi. On pense qu'il y a des auteurs de quelques crimes. Non, si la police te veut les tout le monde va la jeunir. Rendez, l'on a posé le problème, il faut poser la méthode. Il faut pas gagner. Mais ça va, il faut pas sortir dans la réalité. Il faut pas dans la réalité. C'est ou pas dans la réalité. Mais Doval, c'est le premier monde qui a trouvé comme ça. Qui est important? Il n'est pas le premier monde. Mais ça qui arrive que nous réduisons l'autre, ça qui vient après. Attendez, réduisons l'autre, ça qui vient après. Ou nous qui empêchons que nous vienne après. C'est un système, mon frère. Et si c'est un système... Mais le système n'est pas banni un jour, Jacques. Comment banni un système? On a pris disposition qui est nécessaire. Tant qu'on qui ça.
Tant qu'on force une équipe qui doit prendre et responsabilité au prenne. Et force une équipe. D'ailleurs, on parle du système. Le système, ce n'est pas un homme qui dit, non? Il est dans les lois, il est dans la pratique. C'est-à-dire que tout en l'autre forme et pour capable d'échouer. Par exemple, si on prend le racisme aux États-Unis, le racisme, c'est pas parce qu'on parle mal. Et que et pas parce qu'on fait grève, je vais dire au pape, je vais au pape, c'est ce qu'il faut finir avec le racisme. Ou finir avec, d'ailleurs, c'est ça, je vais prendre un exemple, il y a pour 198 juges qui l'obéissent. C'est-à-dire, c'est comment dans les faits, ou après venir avec d'autres lois pour déchouquer la loi qui est là, ou qui baille aussi de monde des avantages ou bien et des droits et automatiquement. C'est ça lié. Par exemple, en Haïti, l'opère de système, non, son système qui est fragile, d'autant plus que c'est précarité, c'est misère. Et bien, nous, c'est misère. Fait. Ouais, bon. Ou loin. Parce que, ou loin. Non, t'as l'air, c'est pas l'avant. Et puis, ou loin. Non, et pas, comme et pas si loin. Ou était, ou venir avec des idées tout arrêtées, qui est dans tête tout, et puis, soit quoi, c'est l'équipage. Non, c'est pas ça, Jacques. Yes. Ou se dit, là, t'as l'air, c'est pas une question de monde, c'est une question de loi. Ça se dit, là. Le système, non, c'est pas une question de monde, c'est une question de loi. OK, mais maintenant. C'est un crié. OK, oui, ça c'est un crié. C'est le système dans le bon mobile. L'île là de façon visible et invisible. Il y a des réflexes qu'on gagne, ces gens conditionnaux là qu'il faut gagner comme ça. Et par exemple, là on a parlé là et en Haïti, nous tout dans des ordres, nous tout dans vagabondage. Parce que nous n'avons pas respecté rien. Parce qu'on bougie, parce qu'on ne respecte pas la vie en Haïti. Au plus bas niveau pour nous venir dans plus haut niveau, on ne respecte pas la vie. Si nous respectons la vie, nous avons l'autre jeune qui a considéré la vie, nous avons l'autre jeune qui a considéré le monde dans le pays. C'est-à-dire, décision n'a pas le prendre. Avant de poser une décision, on a dit, qui est pas la balle sous danger, qui est pas la balle sous Jacques, qui est pas la balle sous Olivier, avant de faire. Mais l'autre balle faire, c'est pas, mais l'autre, puisque Moïse est attaqué, Moïse fait le beau, ça fait danger, ça fait Jacques. Et danger vient de finir, et ça nous capte. Oui, on peut chapitre ça, et nous allons dire nous les. Bah, monsieur, doit réponse. Oui, ou... Non, non. Doit réponse. Non! Notre date de poste, c'est qui ça? Jacques dit, et c'est pas une question de monde, c'est une question de loi. Mais c'est OK écrit. Mais qui est-ce qui a appliqué? C'est le monde qui a appliqué. Donc, le système, qui est-ce qui fait? C'est le monde qui fait. Donc, si nous faisons des ordres, t'as qu'on bat la constitution, ça n'a pas né. Les bonnes questions de bat la constitution, mal écouté. C'est parce que nous mal appliquons, Jacques. Nous mal appliquons. Moïse, nous mal faisons. Est-ce que tout le monde dans la société a le même intérêt? L'organe pour capable bouger société a, c'est pour regarder qui sont ces gardiens et qui pratiquent yo, qui méthode yo et nous-mêmes comment pour gommer en désignant et yo ne peut pas qui gagne, je dis pas qu'à faire révolution pas qu'à prendre armes. Toute révolution qu'on fait c'est révolution en douce. Maintenant, c'est vote par exemple, organisation et réel pour par rapport à des objectifs bien clairs. C'est eux qui ont permis de bouger. Maintenant, gardien système, ça va parler à Jacques. Si après plusieurs années, nous voyons que ça va bon aujourd'hui, c'est dollars qui sont 24 gouttes, c'est misère, ça, c'est insécurité. Maintenant, il faut prendre une décision à gardien système, ça va Jacques. Parce que le pays est pour nous. Le pays n'est pas pour gardien système, ça va. Le pays est pour nous. Le pays est pour nous. Ouais, soit dit là, c'est le discours désordonné de ça qui mettait là. Il va désordonner. Yes. Son discours désordonné parce qu'on gagne. Au contraire, c'est ça qu'on fait nous avec désordre, Jacques. Non. C'est gagne. Ça qu'on fait nous avec désordre. Son discours désordonné, on gagne. Parce que ou pas arriver à résoudre problème comme ça. Premier bagage vous posez, c'est qui qualité société qu'on voulait, comme on voulait. Et qui forme d'organisation qu'on va le mettre. Maintenant, société nouvelle. Les gens qui empêchent nous de société nouvelle. Qui est-ce qui empêche de nous? Nous ne connaissons pas. Gardez le système, nous ne connaissons pas. Qui est-ce que dit mieux? Ah, ok. D'ailleurs, dit mieux. Ok, on quitte ça, là. Dit mieux. On quitte ça. Où connaissons-nous? 2-3% qui gagne 98% de richesse pays, on aimerait mieux garder le système. Merci. Et yo? Merci. Mais là, il y a une autre chose. Où est-ce que nous faisons le chapitre? Nous faisons le Ok, nous décidons, il faut camper. Oui, nous faisons le Nous, on pensait que nous lisons tout pendant que nous avons gardé ça. Nous lisons le petit lettre que le ministre des Affaires étrangères au pays d'Haïti.
Docteur Claude Joseph, vous êtes ambassadeur et représentant du corps diplomatique et dans le pays d'Haïti. Côté monsieur, il y a des gens qui disent monsieur, il y a plein de petits blancs pour un peu de monde pas boire ici, mais il n'y a pas de chance pour nous toutes les lettres. Il y a 5 pages là-dedans, là, puis c'est gardé pour nous. Quelques partages ont été avec l'auditeur pour l'amour qu'il y a pour nous, dans lettre ça, qui est ici un petit Claude Joseph, Port-au-Prince, le 31 août 2020. Excellences, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, distingués membres du corps diplomatique accrédité en Haïti, distingués représentants des pays amis, et ainsi chers partenaires de la démocratie haïtienne, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en cette circonstance particulière où la République d'Haïti est rudement frappée par le retour de vieux démons antidémocratiques et rétrogrades, le climat de sécurité actuel orchestré et entretenu par des groupes d'intérêt inavouable à emporter. Maître Montferrier Dorval, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, ce lâche assassinat de ce fervent défenseur des idéaux démocratiques a révolté toute la famille haïtienne, car il s'agit d'un violent assaut lancé contre la démocratie haïtienne en construction, le projet réforme constitutionnelle et la stabilité politique dont Maître Dorval était le valeureux héros. Deuxième chapitre, l'a dit qui ça ? Une fois de plus, le pays est frappé par le monstre aveugle de l'insécurité qui se réveille à chaque fois qu'il faut organiser les élections pour préserver la démocratie. Ce dernier ne jure que par le pouvoir antidémocratique de la transition. Ça, c'est une partie. Nous prenons l'écoute, il y a dernière page dans l'être là pour nous. Nous renouvelons aux amis partenaires d'Haïti à la demande de leur soutien à la mise en marche du processus électoral. En effet, certains secteurs pensent pouvoir créer une situation du chaos qui serait de nature à convaincre la communauté internationale du bien fondé de ne pas réaliser les élections. Le gouvernement haïtien continuera à croire dans la solidarité internationale à notre démocratie. Le gouvernement haïtien restera toujours à l'écoute des doléances de toutes les parties prenantes, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de représentants de la communauté internationale avec lesquels elles auraient une relation privilégiée dans le but de les rassurer de l'équité et de la transparence du processus. Nous pensons également qu'un soutien de nos partenaires et amis est indispensable pour mener à bien le processus électoral au courant de l'année 2021 en vue de conserver les conditions de gouvernabilité du pays. Certains observateurs se réfèrent à Haïti comme étant un État faible. Nous sommes d'avis que si l'État est faible, c'est parce qu'il a été pendant longtemps en proie à des forces qui n'ont de cesse, qui n'ont eu de cesse de l'affaiblir. Un État affaibli n'est donc pas un processus irréversible. Voilà pourquoi un soutien multiforme de nos partenaires et amis est urgent afin de renforcer la capacité des institutions publiques à poursuivre le processus électoral. Il est donc d'une impérieuse nécessité de faire triompher les idées et les valeurs que défendait le professeur constitutionnaliste et démocrate Montferrier Dorval. Nous campons là et pour petit parti nous tapons dans l'état. Et M. Yo, qui, une fois de plus, mandait le support multiforme, Jacques Amboise, de la communauté internationale pour organiser les élections. Et c'est là, Nabdio, que voici le système. Et, mais comment, par exemple, l'offing, si partout où il y a, c'est pour voir qu'il a servi avec l'amour de Montferrier Dorval. Pour lui dire que, il y a une catégorie de monde qui a créé un problème, situation de chaos en Haïti, pour, et puisque nous ne vivons pas en vase clos, pour arriver dans l'élection. Tout ça, monsieur. Maintenant, non, cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Que quelque chose d'aussi grave arrive, ça pour nous faire, pour qu'il permette de nous comprendre, c'est Alchita, Algade, analyser, rentrer dans la question. C'est qui est-ce qui a intérêt pour une situation comme ça? Et c'est ça qui veut là. Ça veut dire que le ministre lui-même, il n'a pas porté plainte, non? Le ministre, c'est ce qu'il a fait. Il dit allié international. C'est nous qui te mettons là. Mais je dis, yo dit nous pas qu'à faire élection parce que conditions pas réunies. Faut qu'on débrouille une bonne support tout gens pour réaliser élection. C'est-à-dire si
yo vle perpétrer système. Non, j'en lié, il faut organiser les élections à tout prix. Bon, eh bien, en 2021. Bon, en outan pour nous, et qui s'est venu dans ça, parce que il y en a qui passe, c'est que, bon, élection, faut gagner élection dans le pays. Non, pas qu'à gagner élection dans n'importe qui condition. Bien ou sûr, ou pas qu'à gagner élection n'importe qui gens. Et pour gagner élection, il faut qu'il y ait un climat de paix. Oui, climat de paix. Il faut qu'il y ait un climat apaisé. Okay. Et en Haïti, depuis plus passé 30 ans, à chaque fois pour gagner élection, il y a cette remontée de violence. Qui est-ce qu'a fait? C'est parce que chaque fois qu'il y a une remontée de violence, ça a. Ou pas, j'aime qu'a fait, choix pour faire. Par exemple, il y a des côtés, c'est sous coup de zame élection faite. En d'un pays, ça veut dire que il a créé une situation côté que et le chaos c'est lui qui prévaut et puis tout vous c'est l'eau et les ça ou pas le gros pouvoir. Par exemple, si on prend les 5 ans de Jovenel Moïse, c'est 5 ans de crise qui ne permettent que le pays a réglé rien parce que organiser les élections c'est pour apporter des solutions. C'est pour apporter la solution. Dans porter solution, ça veut dire qui ça? Élection dès le départ, dans pays, li signifie un consensus qui doit gagner. Et c'est ça, par exemple, mon frère Yodoval t'a parlé dans la dernière interview de l'Amdandel. Là, il dit que ou pas besoin de premier ministre. Parce que légitimité président sorti dans le peuple là. C'est le peuple qui vote. À quoi bon pour aller passer devant le Parlement pour présenter ceci, pour présenter cela? Par exemple, Dominicani, il a monté, il tout forme le gouvernement, il tout dit ça ne va pas le faire, il tout dit ça ne va pas le régler. C'est-à-dire, nous-mêmes, il faut que nous joignions pour nous poser problème autrement. Parce que si nous ne pas poser autrement, j'ai un affaire là, c'est. Et quand on a dit ça, et laver les mains, et sur la terre. C'est ça qui fait que nous avons que le ministre Claude Joseph a profité de la mort d'Orval pour dire à Lielio, on a besoin de vous. Nous sommes et dos au mur, nous sommes coincés. Oui, sans votre aide, on ne va pas pouvoir réaliser les élections. Oui, je te la gâte, parce que une qui passe depuis une formation au conseil électoral là. Nous voyons qu'il y a une discordance entre pouvoir qui est dans le barab, malgré le président dit lui-même que il y a 7 personnes parmi 9 personnes qui ont déjà gagné pour faire l'élection. Donc, pour que ça l'oblige à écrire et l'oblige à dire appui et multiforme international. Là. Parce que souvent, ils font une élection avec 9 personnes. Ou quand il y a 7, il dit presque bon, presque atteint le but. Et Jean-Président dit là, c'est que la fait l'élection et la gagne. Donc, n'a pas su nous comment ça allait même libéral déroulé. Mais et pour nous, on va venir retourner sur le débat à l'heure. Nous devons toujours t'a parlé de question de faut gagner élection non climat qui serein. Mais monde qui pour créer climat serein, c'est monde qui se pouvoir pour créer. Oui, donc, c'est autorité. Parlons d'élection et on l'a écrit tout. On a cherché l'état pour nous garder pour une journée. Écoutez, on a demandé président pour d'avoir élection. Ben nous on est avec président Jovenel Moïse qui a eu très très beau petit rapport. Mais Jacques, ou pas et intervention, et Monseigneur, André Dumas, frère. Non. Pendant non. Mais Monseigneur a dit qu'on s'agit de ministre qui est le ministre de l'ambassade du Vatican, depuis que vous voyez représenter un conseil électoral provisoire. Pas même qui dit, c'est et Monseigneur qui dit, on nous permet à ce que vous entendez, vous dites, Olivier, est-ce que vous parlez? Bingo. Le ministre, les mois et semaines qui sont passées, pour dire, Monseigneur, qui compromis nous capables de faire pour nous être capables de prendre ambassadeur Haïti, le Vatican l'a mené nous, mais si nous d'accord pour nous voyer le monde dans le conseil électoral. Dans une situation extrêmement difficile et douloureuse, quand on ne peut pas même saisir et comprendre où est l'église dans la cité. Les ministres, les pour le dire, on bagaille comme ça, c'est par connaissance de la vérité. Et me trouver jour et jour, dis, ah, bon Dieu, permette-nous célébrer, eh bien, messe, fête Saint-Jean-Baptiste martyr, pour rappeler nous chaque et nous toutes, ça qu'a privé chrétien Moyen-Orient, chrétien de l'autre côté, croyant dans l'autre religion, tout. Moun pas comprenne yo, yo vle que y a dimenti, nous même tout nous risque même bagay là. Dans le pays d'Haïti, longtemps, de gonne pile respect pour Père et Monseigneur, je ne jodia, le que le gouvernement, ministre Cabrelé, pour dire un bagay comme ça, ça signifie que quand l'ombrique moun pas marié encore avec la vérité.
L'exemple héroïque de ce martyr, Jean-Baptiste, notre patron, doit nous aider aujourd'hui à réfléchir sur la persécution des chrétiens martyrs, mais aussi à comprendre quel est le sens de leur martyr. Les chrétiens martyrs connaissent des situations d'épreuve. Ils sont invités souvent à oublier ce qu'ils sont. Le monde veut qu'ils ne pensent plus à l'œuvre de Jésus-Christ. Ils ne doivent plus marcher sur les pas du Christ. Alors que le Christ nous invite à prendre le chemin de la croix et à marcher après lui. Frère Maxime, ça me l'a dit, l'évangile qui vient pour prêcher, Jean montre-nous avant même que Jésus vienne mourir sur la croix et que lui-même n'y paye avec propre la vie, lui, ça que Christ l'a fait sous la croix, la passion, lui. Je dis à Messan, à célébrer la communion à tout chrétien dans le monde qui joue de martyr. Nous sommes chrétiens coptes. Ils ont été dans le pays d'Égypte, ils ont raché. Nous sommes chrétiens, ils ont été tout dans une zone plage parce que c'est le monde de Jésus-Christ. Nous sommes tout le monde qui payait. Hier soir, un bon ami, un grand catholique, le bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Maître Montfleury d'Orval, pendant la tournée de la Kaili, avec qui nous avons célébré messe pour avocat le 19 mai, ils ont raché, ils ont vendu dans la Bacatouche. Ça veut dire pays nous rentrer dans une situation que nous pas capable accepter nous-mêmes chrétiens. Nous pas capable faire comme si nous pas ouais ça cap passé. D'ailleurs, maître Montfleury d'Orval, c'est une monde que conférence épiscopale là terelé pour bailler éclairage sur question nouveau décret que pouvoir actuel a publié qu'a plagué tout monde dans toute rabodaille, dans toute question tissourite et dans toute question baisser l'âge pour monde faire bagaille qui débordaille. Eh bien, il était d'accord pour venir en septembre, après le fin bail premier conseil, en septembre avec quelques autres gros avocats à l'église pour venir aider. Et ailleurs, il y a la Kaili, la nuit d'ailleurs, il y a tout yel. Ça veut dire bagaille pas simple. Nous venons fêter, c'est vrai, mais situation pays nous demandait pour nous faire fêter avec j'éclairé. Pour nous faire fêter avec conscience nous, à cœur nous. Nous pas faire fête juste pour faire fête. Les vins de fête là, faut nous puiser. Les fêtes patronales, ce sont des moments de grande de foi. Ce sont des moments de retrouvailles. Et donc là-dedans, nous vins puiser des énergies nouvelles pour nous cabaler de l'avant, pour nous pas rentrer dans le compromis, dans la compromission avec une série de réalités que nous pas capables d'accepter. La fête d'aujourd'hui rappelle donc à tous les chrétiens que nous ne devons pas nous abaisser à faire des compromissions contre Dieu, contre l'amour du Christ, contre sa parole, contre la vérité. Nous ne devons pas recevoir les leçons de la cour où il y a beaucoup d'hypocrisie, de flatterie, de mensonges, de corruption, de vices et de crimes. Nous ne devons pas accepter que des bandits regroupés ou des bandits légaux, regroupés en plateforme, nous imposent la loi. Les gens qui ont tout fait, moun sérieux dans la société, ya, ou pas jamais tendez à arrêter quelqu'un de moun. Yo touye avocat, en yen. Yo touye commerçant, monsieur Saye avant hier, propriétaire PIA et Market qui l'achète de masse, et nous fait quitter conférence épiscopale là, la même le ya, en yen. Yo touye père de famille, en yen. Bon, nous basé et nous tendez. Et Monseigneur Pierre-André Dumas, qui est parlé comme ça dans l'intervention qu'il a faite dans la célébration de fête Saint-Jean-Baptiste dans la commune Miragouane. Et Jacques Ambassé, en savoum, quoi. En savoum, Miragouane. Je vais vérifier pour moi, mes amis. Miragouane, c'est NIP. Mais c'est NIP, mais c'est même département. C'est même département, dans NIP. Et Monseigneur a parlé comme ça. Et on voit que nous sommes capables d'étendre lui. Mais il parti qui était plus intéressé, nous, parce que nous n'avons pas eu d'élection. Et M. Ambassé, c'est vrai que nous n'avons pas qu'un bagaille. C'est côté que l'idée que le ministre du gouvernement, M. le président Jovenel Moïse, qui est l'île, qui dit non seulement paye à prendre pression, le ministre de vous dit que, eh bien, et depuis que d'accord, ben nous représentants dans la KIPA, eh bien, nous-mêmes, nous sommes et ambassadeurs dans le Vatican. Chantage. Chantage, quand même. Eh bien, qu'on y a là, nous pratiquement, il y a deux secteurs, il y a le président, pas de cognier, oui, c'est l'église catholique, avec, avec Bao, Fédération des Bao. Et ou ka dit ça? Ou ka dit ça comme ça? Parce que, et Eddie Douamoun qui t'a parlé un peu là, et président Guilherme Eddie Douamoun parle. Non. Nous avons 2 minutes oubliées avant de dire ça.
tout autre secteur en dans pays. Il n'y a pas organisé à son même secteur bancal. Oui. C'est faussité. Moi, pas trop fort, non? Oui, faussité. Par exemple, si vous prenez le secteur protestant, oui. Ah bah, il a cherché l'autre protestant. Il y a de l'autre protestant. Il n'y a pas rien qui, comme on a dit ça, organisé ou voué. Il n'y a pas qu'à parler d'une seule voix. Non, le secteur protestant ne peut parler d'une seule voix. Alors que l'église catholique, nous t'ai dit ça là depuis avant. Oui. L'église catholique qui a parlé d'une seule voix. Ou pour le secteur la presse n'a pas parlé d'une seule voix. Parce que il y a plusieurs associations de presse. Mm. Même... Je dis, il y a des coups qui ont fait là dans la dernière élection. Hein? Quelle élection? Élection à NMH là. Non, pas aucun coquin, mais j'ai aucun coquin. Il était le seul candidat. Il était le seul candidat. Mais ça va rien. Et président, il y a une radio le boucol. Et voilà, il y a une radio boucol là, il fait tout. Et. Je ne sais pas ce qu'il y a. Non, on a dans ce secteur. Oui. Secteur vaudou. Mais je ne sais pas si vaudou parle. Et ce que. Non, vaudou, voyez-moi, non. Vaudou à la droite. Ça avait noté pour bien faire. Oui, déclaration. Et Atia, conseiller, me dit, s'ouvre les comptes, si vaudou, voyez-moi, m'a dit, président, même Bakadjou. Au moment, ça, c'est où? Secteur vaudou à la droite. T'as pas différents secteurs. Et où nous sommes, non, pas protestants. Douamoun. Douamoun. Douamoun, même pas peuple là. Syndicat. Attendez. L'homme doit moun. Ou pas qu'on oué, chaque nec doit moun. M'en mêle là tellement bon. Oui, yo fait contre la bas, et puis l'autre fait bas doit moun ni tout. Oui, oui. Parce qu'il y a même contact international, yo, il fait ceci, il fait cela. Oui. Et puis il fait. Oui, ça fait pas. Organise doit moun ni tout. Mm-hmm. Et l'autre, et syndicat. Mais il change de dire là tout. Bon, yo conseille des syndicats. Il n'y a pas la donne, mais il y a d'autres syndicats. Bon. Et leur ville ou pas, c'est pas syndicat ou des. À part la société civile qui l'a, qui plus ou moins connu, il dit pas dans la constitution du président, je n'ai pas 50 organisations de société civile. Qui a le fait? Qui vient de parler, etc. Ça veut dire que nous avons une société tête chargée, une société qui est éclatée, une société où on dit que nous avons hier, nous n'avons pas gagné pour nous, nous n'avons pas gagné l'esprit pour nous comprendre, pour nous interpréter la réalité. En tout cas, une capsule est l'heure du billet de Jacques. À tout de suite. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Le billet de Jacques, délibérément hors de la réalité crise haïtienne. On est délibérément hors de la réalité. Jacques, bon billet à toi. Merci, l'enjeu. Exceptionnellement, et vous pouvez comprendre qu'on était supposé commencer 5 minutes de ça. Et il est déjà 55, c'est là ça. Et nous avons fait billet, parce que l'actualité a très chargé et il y a des points de vue. Et il y en qui plus pertinent et que l'autre qui a passé. Je veux dire, nous dit que délibérément hors de la réalité, nous choisissons directement pour ne pas garder la réalité, pour ne pas voir ce qu'a fait. Ou bien chaque monde a parlé de la façon pâle, de la façon que Bagala a bouli. Là, nous prenons l'être ministre là, et ministre Claude Joseph Vouillé, by Zamil qui est dans la communauté internationale. Là, nous voyons que son ministre qui n'a pas chita, qui n'a pas gardé ce qui a passé dans le pays, qui n'a pas mis les pieds dans la réalité. Parce que l'on parle de processus électoral, je ne le dis. Ça veut dire, les gens qui ont parlé tout le temps, pour dire que y a envie résoudre crise qui dans pays y a en baisse jack sous jack ça c'est sous coulo que n'a pas metté et c'est pas seulement jodi a nous
pour une décision pour mettre abcès sous clou. C'est depuis plus passé et deux décennies en d'un pays, ou du moins depuis Jean-Claude Finale, chaque fois que nous avons un problème, yo, au lieu que nous résoudions, nous passons sous côté, yo, nous ne pas résoudre vrai. Et il y a une grosse cause pour nous comprendre aujourd'hui dans le pays d'Haïti. Il faut que nous connaissions, depuis après 1915, c'est les Américains qui mettent la question. C'est eux qui prennent toute décision, ou du moins qui ont avis sur toute décision qui a passé dans le pays. Personne, aucun monde, dans quel que soit le secteur qu'il y a, n'est pas libre pour le capable de faire ça, n'est pas libre pour le capable de prendre décision sur l'avenir du pays, sur les gens qui ont fait. N'est pas capable. Parce que si blanc américain pas d'accord ou pas qu'à faire. Et nous avons des tentatives qui étaient faites. Quelques autres chefs de l'État qui passaient dans 30 dernières années, ça, yo, qui étaient soi-disant dit, ils ont pas pris dicté, non mais blanc américain tellement bas au dicté, li tellement corrigé faute pour yo, li fait que c'est yo qui montré yo pour yo écrit qu'on y a là, parce que blanc américain dit c'est moi qui met tout haut. Je dis à si nous t'avons gardé et réalité en face. Gon bagay pour nous comprendre. Si nous voulons gagner Haïti, qui est Haïti pour nous, c'est pour nous aller chercher moyen pour nous capables de mettre ensemble, pour nous définir un gros projet, un gros rêve collectif pour tout Haïtien, pour nous capables de permettre nous voir comment nous capons toute société pour nous capables et sortir dans laisser frapper ça. Pour nous capables de sortir dans. Quel que soit moun qui monte dans le pouvoir, ou joindre c'est des moun qui cherchent bonne grâce blanc américain, qui cherchent bénédiction yo pour dire est-ce que me fait tel bagay bien, est-ce que me marche bien. C'est pour nous d'arriver, pour nous mettre pays devant, pour nous dire combien l'hôpital que nous gagnons, combien l'école nous gagnons, qui qualité système éducatif que nous gagnons et en d'un pays qui a permettre si moun yo gagner j'éclairer sur Haïti qui a permettre Timounio poser tout problème haïtien en général et pour yo suspendre passif pour yo comprendre que société a pas changé si on était deux bois balancés si on était deux bois croisés sans que yo pas dit faut que nous participer faut que nous porter pienne faut que nous vienne citoyen tout bon vrai en dans pays a pour qui permettre nous changer figure Haïti. Nous pas qu'à choisir délibérément pour ne pas participer dans ce qu'a fait en pays. Et c'est parce que nous avons choisi délibérément pour ne pas participer qui fait que nous la journée aujourd'hui et nous pas connaît qui côté nous pour aller comment n'a marché qui l'en a privé. Je veux dire l'élite pour nous prendre conscience citoyenne pour nous dire yon lot Haïti, yon Haïti pour tout Haïtien qui vivent la dani et tout Haïtien qui d'ailleurs tout parce que diaspora fait partie intégrante de pays a c'est yo jodi a qui c'est principal force nous qui permettent nous kembe. Ni pas long, li te tout coûte, nous te content pour nous d'avoir. Et après bien on a tout rentré avec Fano. Fano pas dit comment ça dans zone belle et pour matin parce que depuis hier on a dit qu'on situation panique et tension qui dans zone belle et nous espérons que nous joindre Fano parce que matin là nous ici à plusieurs là nous joindre Fano il venait aussi là Fano bonjour comment ça va Fano bonjour comment ça va Fano bon et refait appel là pour nous encore Olivier parce que les communications pas semblé et aussi difficile avec et venir aussi la fin donc et puis matin que n'a pas ces jeunes pour informer nous par rapport avec cette situation et sous Belé nous connaît côté que en pile monde quitté zone hier pour aller réfugier dans zone Chatbors et pour façon pour garder pour qui ça capable de faire ce mal qui compliqué et je pense que et monseigneur Pierre André Dumas et dans intervention tout à l'heure il parle à que li Jacques et je pas que bail qu'a fait dans société là ou pas senti vraiment autorité pour aucune disposition. Et à chaque fois, un bon, crime qu'on s'acquit perpétré dans la société, c'est presque même discours, même l'évangile là, mais concrètement, pas rien qui fait. Non, concrètement, pas rien qui fait parce que la société a elle-même pas mobilisé pour bagaille changer. La société a pas. Oui. Fano Oula, comment ça va, frère? Bonjour.
Allô, studio. Bonjour, Fano, comment est-ce? Bonjour, Danger. Bonjour, Jacques. Bonjour, Olivier. Bonjour, tout le monde. C'est un plaisir. Mm-hmm. Eh bien, depuis le matin, là, on a pu se garder pour nous. Et comment on est capable de vous causer avec vous? Et dans une chaîne de masse là, ou passez chaîne masse matin, hein? Comment est-ce, s'il vous plaît? Voilà, et j'en dis à Danger, dans le moment, c'est chaîne de masse, mais la même. Chaîne de masse, donc on a gagné. Il y a l'autre journée de mobilisation qui est annoncée par l'université. Et qui donc nous tenons capacité devant Doha, pour nous tout ça tout danger, si on a souci, et zone Chedmas, capacité de Doha, qui c'est, oui, aux Algouans, pour aller descendre dans les Yogan, comme une difficulté, pour pas capable du tout. Parce que monsieur mettait chaise dans la Ouya, barricade, wash, tableau, table, dans la Ouya, c'est donc pas de moyens du tout. Et même son motocyclette qui a fini, il a vite allé wash, et pour tout tirer sur le skate. Et donc, nettement difficile. Pour monde à circuler avec machine ou encore mon tout dans la zone et faculté droit. Et on dit, et si on se fait toujours zone et Bostad de danger, pour aller Bordeaux, le poil arrivé et devant, bon, et sur l'école, on va quand même nous lire, mais on dit, bon, finance là. Dans la zone finance là, annexe et finance là, là, lui-même, il est bloqué et monsieur Bokito est pour y faire. Dans la fond, côté et pour aller dans le palais national là. Mm-hmm. Pour nous là, nous sommes là. Nous avons cherché là pour capable de jouer et moun et Belair yo qu'on est depuis samedi bon par une votation cap et déroulé dans Belair et zone et route firma et zone toute zone où vous ce matin et bien hier soir moun yo yo même été pour aussi jouer là et Chanmas place qui est couru en face de Beroa et parce que Beroa c'est là bon malheureusement Bah ouais, on est ici de meilleur game matériel, pas comme qui va regarder et ce qu'il va bouler, ce qu'il va perdre, bon, okay. Et c'est ça, comme quoi information, mais nous pas ouais au danger, nous pas mais je suis installé si j'attends, mais pour mon prochain match hier et mardi, et zone ça qu'on est sur une activité liée, mais ouais un peu sombre danger, les un peu sombre technologie, zone ça un peu sombre, alors oui, la question propre, et comment est-ce que vous avez côté monde dépassé vrai ou quelques via cette carton comme si un tas salubrité ou ta ou elle vient pissal que d'habitude. Je ne sais pas pour du tout. Pas pour du tout. J'en dis là et j'ai conscience de la réalité. Et à cette carton, gaillé et sachet de l'eau, boîte de jus, et alors dit pour j'ai boîte et gagner tout même des bon et c'est information là ben je dis je ne sais pas moi j'ai gagné des matières qui chose chez ma sala mais bah ouais moun qui a balé tout qui a porté une bah ouais c'est seulement et monsieur qui a coupé gazon yo nous a gagné là qui et qui sous et parce que Christophe là et lui même qui a fait et coupé et gazon qui en bas et monument ça mais chez ma sala vraiment sale côté mi à la vraiment sale moins sous une sous-place qui mène au devant directement et on dit des places oxygénées. Oxygénées, c'est l'amier, c'est là qui est vraiment sale. Vous voyez, je m'en garde de haut là, et c'est mon kishita à souli, par exemple, on a gagné, et mon bel air. Mais tout à l'heure, Radio Télé Pacifique, nous parlons de nous, dans le niveau Riel Maria, qui est arrivé là, dans le Maria, nous parlons de bel air, et Routimas, nous avons fait mon vie directement, ce qui a passé en dedans, et en dedans, notamment dans la zone Sahel. Ah ben. Merci et Fano et Kemben et au courant, vive Haïti à Balvini, venez de temps en temps pour qu'il y ait information. Dans notre Jacques et notre semaine là, que collaborateurs nous rendent dans Ouyel Maya Belair, pour la permettre de tout à l'heure, parce que c'est sûr, là, tout pays a fait exactement ce qui a passé dans le temps. Mais ou même tout, fais attention, prends soin de corps, c'est mettre comme veille corps. Dans ce temps, on est pour aller mettre. Ah ben ok. Merci Jacques. D'accord. En tout cas, tout l'équipe a dit qu'on était avec nous. Et messieurs, dames, va être déjà là. Et bien, qu'on est là, on a croisé demain matin pour notre édition avec un peu d'information. Oussou. Radio Pacifique. Pacifique. Pacifique.